Hello you. Hello you. Et bonjour à toutes et tous. Coucou à YoYo le numéro uno, pouic à toi. Bonjour Matt, super cornichon bébé Pampers, les lurqueuses, les lurqueurs qui sont présents. Merci d'être là. En ce jour de couette, de mercre-couette. Pour l'Alliance, nous dit Koro à peine arrivé. Tu viens de rentrer du boulot? Et coucou Koro. Ah oui, je me souviens, hier tu disais que en fin d'après-midi, là, que tu préparais justement ton repas et tu viens pas de rentrer là quand même, si? Bonjour à toi, coucou à vous. Eh, les sous-titres, c'est rigolo, mais j'ai pris un screen. Vous savez, lorsque vous utilisez la commande, le point d'exclamation Hello, j'avais la page de mon live
ouverte pour pouvoir faire le copier-coller du lien pour pouvoir faire l'alerte Twitter. Et du coup, je reviens sur la fenêtre pour la fermer. Habituellement, je fais pas ça, mais je reviens dessus. Et là, je vois comment a traduit avec les sous-titres, enfin, comment a retransmis plutôt les sous-titres, le Hello You. Super! Super! Bah, écoutez, ça donne de l'amour. C'est beau, c'est bon, ça fait plaisir. Toujours. Ok, bah bon réveil à toi, Koro. Bonjour, Jusco. Alors, vous avez ouvert les vaults? Vous savez que je suis une streameuse indigne, hein, je savais même pas qu'il y avait des drops, man. Alors, complètement à l'ouest. Bonjour, Sifus. Comment ça va? Eh, ils vont se calmer, les allianceux. Cela dit, vous avez pas tort, on va commencer avec l'évoque. Le vault de l'évoque. Pas de vaux... Ah oui, c'est vrai, yo-yo. Comment ça va, toi? Sur Pabo. Bonjour, Ishbal, les DS qui nous rejoignent. Salutations. Le buff fait vraiment plaisir. J'ai même pas regardé. Il y a un truc sur les DC? Spoilez-moi, s'il vous plaît. J'ai même pas regardé. Qui m'a dit? On m'a dit qu'il y avait un nerf sur Murozon, par contre. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne me reste qu'une seule gemme à avoir. Ah oui, t'as fait le plein de... de chasse, Koro. Oh, flûte. Buff SP et Oli également, Sifus, mais... Ah bah super, t'as même pas regardé tes autres confrères et consoeurs prêtres, Sifus. Il n'y en a que pour les SP. Vas-y, je vais mettre de la crème. Eh ben moi, ma matinée a commencé de manière un peu différée, puisque bouchon, il y avait, dans ma campagne, avec les agriculteurs. Et une fois n'est pas coutume, je sais pas, j'ai vraiment bugué un sacré moment... En repensant à des souvenirs avec mes grands-parents, etc. Mon papy nous a quittés ça fera 2 ans. Mais en l'occurrence, j'ai toujours ma grand-mère. Et il y a une demi-heure, j'ai appris qu'elle venait de faire un AVC. Donc il y a des coïncidences bizarres comme ça dans la vie. Je vous cache pas que j'attends des nouvelles. Hein, donc voilà, journée encore une fois particulière, hein, particulièrement pas drôle. Donc je suis contente de vous retrouver, voilà, pour... qu'on s'évade un petit peu ensemble en espérant avoir de jolis vaults et... Voilà. Une superbe journée. Bonjour, Taz, coucou Carlito. Je rappelle que je vous quitterai un peu plus tôt que prévu aussi aujourd'hui. J'ai un rendez-vous à 18h, donc journée marathon avec des nouvelles comme ça, c'est formidable. Donc question de nous poser un petit peu ensemble. Merci. Bah écoutez, hein, Taz, comme je dis, on a tous nos proches, on a tous nos soucis et j'ai envie de dire, bah... Les fins de vie aussi qui se profilent, donc voilà. J'espère que j'aurai des nouvelles, quelles qu'elles soient, assez rapidement, et voilà. Un bon gros nerf de Murozon, voilà, donc ça fait plutôt plaisir, n'est-ce pas? Surtout une semaine de fortifié. J'aime sur le druide reroll, ok. J'ai beaucoup joué, il est déjà 480, c'est incroyable, hein, par contre, la facilité ouais, pour ce stuff, par contre. Voilà, si vous jouez, si vous avez un temps de jeu conséquent, l'e-level monte à une vitesse dingue. Je pourrais venir faire des clés avec toi. Eh ben pourquoi pas, tiens. Tu le joues en quoi, ton druide, par contre, en reroll? À quel poste? Je me souviens plus si tu me l'avais dit. Je fais mon aventure en mode toute chou, sans rush quoi que ce soit. Je contemple le paysage, j'espère juste que ton perso sera pas... effacé à nouveau, cher yo-yo. Je ne regarde que moi, les autres, on s'en fiche. Ouais, du coup, mercrequette, Carlito. Pas spécialement joyeux, mais mercrequette, on est là. Coucou à vous. Merci, Jbal, ouais. Bah, de toute façon, coucou les dias, je suis sincère avec vous, hein. Les moments comme ça, c'est... Soit on espère un rétablissement, soit non, en fait, parce que l'entre-deux, c'est l'entre-deux qui est le plus difficile à envisager et à supporter, autant pour la personne que pour l'entourage, donc... voilà. Si tu regardes les nerfs, tu vas être surpris. Des nerfs de quoi? De donjon, Sifus, ou... J'ai hâte de voir mon vault quand je rentre de mon deuxième examen de la journée. Espérons du bon stuff bien joli. Ouais. Ah, punaise. Bah, bon courage pour le boulot, bon courage pour la journée. Il y a d'autres donjons, les diaches, ou il y a que Rise of Murozon? Mais tu pouvais pas aller voir ça avant, Afro? Bah, du coup, non, pas trop. Non, bah, je suis pas allée voir. Ouais. J'ai du mal à m'intéresser et à prendre du temps pour m'informer sur WoW, oui, en dehors des streams. Je suis... En toute transparence avec vous, j'arrête avec cette expression de politicien de nuke là. Je m'auto-troll hein, quand je m'exprime comme ça, franchement. Coucou Chante-Ciel, bonjour, bonjour. Y'a que Murozon? Ok. Merci beaucoup la commu. On va aller voir le vault de notre ami Evoker, que j'ai très mal joué hier, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien de la jouer par contre. C'était très très chouette.
Je suis très déçue hein, de moi, de pas avoir pu rentrer cette fichue Everbloom qui nous résiste, encore et toujours. Hein, mais on l'aura un jour, on l'aura. Ah ouais, Lady Ash, c'est le mot, hein, c'est reposant de jouer l'évoqueur en fait. Ça me fait beaucoup de bien. Et bonjour, Laurent, coucou. Vous savez quoi, j'ai mis drop et tout, mais je sais même pas ce que c'est. Hein. C'est quoi? C'est une mascotte, une monture, un jouet, un... Je sais pas. J'en ai aucune idée. Vous l'avez déjà eu, vous, le drop? Everbloom, la semaine dernière, était infernal. Mais tu sais, Sifus, non. Moi, je l'aimais bien, hein, la semaine dernière. Celle-ci, je l'aime pas. C'est un jouet... J'ai lui foué, chanteuse. Je suis fatiguée. J'ai lui foué. C'est un feu de camp. Ok. Oh, vous avez déjà vu passer sur Tinder, pour celles et ceux qui ont déjà mis les pieds sur Tinder, parce que ça fait un moment que ce machin est récurrent dessus, mais ça me fait trop rire. Il y a une photo d'un feu de camp qui s'appelle Feu de camp. Après une longue journée à swiper sur Tinder, viens te reposer auprès du feu de camp. Vous avez jamais vu passer ça? Ah, ça m'explose de rire à chaque fois. Voilà. Oui, comment passer de fouet à Tinder et feu de camp Voilà, il y a des connexions étranges qui se font dans ma tête. Mais vraiment, hein? Il y a des gens qui ont de l'inspiration, moi j'aime bien, ça fait du bien, c'est divertissant. Oh non, pas joyeux Noël, c'est fini. À l'année prochaine. Alors, le Vault. Merci du coup, Chante Ciel, pour cette précision concernant ce jouet. Oh, faudra que j'aille sur le live de quelqu'un. Bonjour Sarcia, bonjour, bonjour, bienvenue. Le lien, c'est le feu au creux des reins. Ah bah les dents, Ishbal, il est chaud aujourd'hui. Tiens. Oh, t'as bien raison, ma foi. À la vie, hein. On n'est pas venu par l'opération du Saint-Esprit au monde, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, nous disions une ceinture. Qu'est-ce qu'elle raconte encore? Une ceinture. Ah bah voilà, ça c'est des bonnes stats, ça. Hâte maîtrise. Bah oui. Je regarde juste le... Les crafts, parce qu'à tous les coups, il y a un craft sur le sur la ceinture, ce qui serait ballot. Murloc, Io. Augmentation. Allez. Alors, les crafts... sont sur les jambes, et pas de chance pour moi. Ça m'arrange pas. La bague, il faudra qu'on fasse. On a dit qu'on avait quoi? Une ceinture. Crit Mastery. Mastery Poly. Bah, elle est très bien, celle que j'ai dans mon... Celle que je viens d'avoir dans le Vault, non? Elle est très bien, hein. Hâte maîtrise, moi je dis oui, hein. C'est toujours mieux que ce que j'ai, de toute manière, hein. Crit hâte avec une chasse. Bon, on a du mythique, quoi. Kiff, kiff. On est d'accord, hein, Licagno. Licagno. Je vais avoir ma réponse avec ce que tu consultes. Moi? Mais c'est mon reroll, Ishbal. Mon main, c'est ma prêtresse d'ici. J'ai réussi à avoir les 3K. Ah, GG, chante ciel. Gros, gros GG. La ceinture bis, elle est dans le catalyseur. Ah ok, c'est bon à savoir, merci Lady H. Donc dans le catalyseur, ça me donnerait potentiellement du crit maîtrise, c'est ça? Ah voilà, oh punaise, bah je peux aller le faire peut-être. Ok, donc on va confirmer les affixes de la semaine que je suis censée détester vu qu'on me les a déjà spoil. Donc j'avais déjà anticipé le râlage, le plumage. Trône démarré 22, fortifié, incorporel, sanguin. C'est génial, voilà. Et bah je suis bien contente d'avoir mis la DH au placard pour le moment. Et je déteste cet affixe, hein, genre on a que ça à faire de faire un gros cast au milieu d'un boss. Spoiler, non. Voilà. Non, je suis pas contente. Non, j'aime pas cette semaine. La dragonnette a ses 3K. J'ai joué un peu ce week-end. Ah, GG! C'est cool, ces petits dragonnets. J'aime bien. Il semblerait que ça te plaise aussi.
Je me demande si t'as pas un paladin dans ma guilde sur Ijal. Non. Non, non, non. J'ai aucun perso guildé, Licagno. Si vous voyez un perso qui s'appelle Aphrodisiaque et qui est guildé, c'est pas moi. Ou Afro, ou ce que vous voulez. Non, 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 non. Mais je vois de qui tu parles, hein. C'est quelqu'un qui stream de temps en temps. Mais non, c'est pas moi, Licagno. Absolument pas. Coucou Elsa. Mais non, pour une fois que je suis coincée entre narches. Mais pour une fois. Mais. Ah, je sais pas si c'est une copie, mais en tout cas, moi, j'ai ces persos depuis 14 ans, donc... voilà. C'est moi, c'est les miens. Pas la pâle, cela dit, la pâle, je l'ai faite quand? À BFA, c'est ça? Et c'est naine sombre fer, parce que j'adore les naines sombre fer. Mais ma première pâle, elle était côté horde, et je l'ai toujours, hein. Je vais vous montrer, je l'ai toujours, là, ma pâle côté horde. Ma première paladine, c'était une F200. Crit maîtrise, mais oui, c'est ça qu'on veut. Bien vu pour le catalyseur, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des enchantes sur les ceintures? Je sais même plus, tiens. Le drop commence à quelle heure? Il a commencé hier à 19h, je crois, Licagno. Bah quand j'ai stoppé mon live, quoi. Super. Ah! Mais j'avais pas compris, entre marches. Je me fouette. Bonjour Inks. J'espère que tout roule par ce beau temps. Tu peux voler sans monture désormais en drag tir, non? Je n'ai pas ressorti la mienne, mais il me semblait qu'on pouvait. Non, je suis pas convaincue, non. Enfin, quoique aussi, avec ce machin, potentiellement, mais... Non, c'est quoi? Il est où mon truc de voler, là? Survol ou envol? Il y a un spell hein, qui s'appelle envol, mais... Où est-ce que je l'ai mis? Hey, bonjour Marvboom! Il y a sur la ceinture, mais il coûte cher, je trouve. Ah, après... Si c'est un perso que tu comptes jouer au-delà des clés de niveau 20, Laurent, c'est quand même pas mal d'essayer de faire l'investissement, ouais. Ouais, je sais juste plus où est-ce que je l'ai mis. Yeah. Ah bah c'est ça, envol, vous rassemblez vos forces et prenez votre envol. Mais ça, on l'a depuis le début, hein. Test. Ah oui, j'avais jamais pensé à l'utiliser, excellent. Merci beaucoup, Droopy Sardine, pour ton follow, bienvenue. Coucou à toi. Hola, hola, qu'est-ce? Ah ouais, merci Inks. Tu vois, je l'avais bind, mais je... Où vais-je, là? Ah! C'était par là. Je sais même plus parler espagnol. Coucou, Droopy. Pétard. C'est la honte, hein. J'ai bossé à Majorque, je sais même plus paragouiner les quelques mots d'espagnol que j'utilisais à cette époque-là. Oh, c'est effrayant. Mon cerveau est une passoire. C'est très très classe. Avec un ami, on s'est donné un défi. On doit monter 3 caillots avec le perso que j'ai choisi pour lui. Et lui pour moi. Je vais donc jouer Druidil et lui Chamelio. Et vous jouez en binôme? Ouais, moi aussi. Après, je te cache pas que je voulais dire que j'ai pas passé une très bonne journée. Est-ce que vous êtes classé dans la catégorie? Voilà. Mais du coup, c'était... Voilà, c'est pas plus mal que j'ai pas retrouvé les mots Droopy. C'est pas plus mal. Bonjour à toi, Maze. Coucou, merci beaucoup pour ton follow. N'hésite pas à nous dire un petit peu ce que c'était ton programme, toi, aujourd'hui. En espérant que tes vols étaient satisfaisants. Coucou! Et bonjour Uncle J. On a interdiction de jouer le perso sans que l'autre soit co. J'adore le concept, Elsa. Trop bien. Quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plaît? J'ai envie de commencer WoW, mais je suis totalement perdue. Bienvenue! Doupi! Prépare-toi. Alors, je t'invite à faire ceci. Non, te déconnecte pas. Puisque tu n'es pas encore connecté. Tu t'apprêtes à découvrir World of Warcraft et... Je te suggère, hein, t'incite évidemment à jouer à World of Warcraft Dragonflight, qui est donc l'extension actuelle. Regarde pas mon dragonnet. J'ai oublié de refaire ma transmo, elle est nue. Ne regardez pas, j'ai pas remis ma ceinture, ok? Voilà, regardez sa queue. Bonjour Valden, coucou. GG Maze, GG pour le 2K5. Maze qui était en live aujourd'hui et qui a décroché ce nouveau palier. Bravo. Donc, je t'invite, Droopy. À cliquer. Non, non, c'est pas son postérieur. Ce sont des écailles, c'est pas pareil. Création du personnage. Donc là, ça va être un moment important, un moment intime. Ce premier contact avec cet univers merveilleux qu'est World of Warcraft. Choisir la Horde ou l'Alliance a moins d'impact désormais. Pourquoi? Parce que nous travaillons de concert hein, pour sauver la planète, les planètes, même l'univers, hein, les univers. Donc, ce que je t'incite à faire, c'est vraiment prendre le temps de regarder chaque perso. En faisant des clics droits dessus, tu auras plus de spécificités par rapport à leur trait ratio. Ici, tu as les différentes classes
qui ensuite vont se scinder en différents rôles. Je te déconseille le rôle de tank. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de responsabilités. Donc je t'invite à t'orienter vers un rôle de quelqu'un qui tape en mêlée, à distance, ou un soigneur. Donc vraiment de prendre le temps de découvrir les différentes possibilités qui s'offrent à toi. Et je te rassure tout de suite aussi, tu pourras aisément en essayer d'autres à l'avenir. Pourquoi ? Parce que la phase de pexing, je sais pas si t'es familier du langage des MMO, mais en tout cas la phase de pex, donc de leveling pour arriver jusqu'au niveau max, est assez rapide désormais. C'est plus une formalité. Donc, te crispe pas trop. Si tu as envie d'essayer d'autres choses à l'avenir, ce sera faisable aisément. Mais le premier perso, ça reste le premier perso. Voilà. Spoil, la Horde deviendra la faction qui domine le monde. Aha ! J'allais te dire, j'aime taper. J'ai déjà joué un peu, mais ça fait longtemps. Ok, donc là, on va dire que tu repars de zéro, Droopy. Il y a une zone. Il y a une zone aussi, en plus, pour les débutants, où tu as un petit didaxiel, etc., pour t'aider à te mettre dans le bain. Donc, taper... Quelqu'un qui aime taper, qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Un paladin ! Un gros marteau, ça te fait kiffer ? Ça te fait vibrer, Droopy ? Un paladin ! Ce qui est cool avec le paladin, c'est qu'en plus, tu peux te soigner. Tu tapes en mêlée, tu tabasses, tu peux un petit peu te soigner, donc ça peut être pratique pour les phases de pets, non ? Et bonjour, Walshune ! Voilà, Walshune. Je suis en train de recommander le paladin rétribution à quelqu'un qui découvre World of Warcraft. Est-ce que tu te rends compte ? Non, on n'aime pas trop les chasseurs, Uncle Jay. Y a pas de différence entre la Horde et l'Alliance, mais si tu prends l'Alliance, t'es banni. Mais vous allez vous calmer ? Eh ben rien que pour ça, hop là. J'ai pas envie de te noyer d'informations, parce que ça vient déjà d'être le cas, Droopy. Donc je te laisse découvrir, comme je disais, tranquillement. Oublie pas de faire ton petit clic droit pour avoir plus d'infos aussi sur les différentes races, même si ça n'a pas d'incidence, concrètement, par rapport au rôle que tu vas vouloir choisir. C'est ce qu'on appelle de la micro-opti. Donc le choix de race deviendra intéressant que si tu décides d'aller taper dans les niveaux top world. Mais no offense, ça m'étonnerait que ce soit le cas d'ici un mois. Donc tranquille, moi je sais que j'ai vraiment pris ce temps-là pour choisir mon premier perso et c'est toujours celui que je joue le plus aujourd'hui. C'est parce que ça a été un vrai coup de foudre et je te souhaite un petit peu la même chose bien sûr. Coucou Kamula ! L'Alliance, ça respire la faiblesse à l'image d'Anchu. Mais moi j'aime bien Anchu. Si on n'aime pas les chasseurs, ça reste une super classe pour débuter parce qu'on peut tout voir facilement. Alors, à mon plus grand regret, Lady Ash a totalement raison. Le chasseur est une excellente classe également pour débuter World of Warcraft. Peut-être même plus facile que le paladin, bien que très différente. Pourquoi ? Parce que le paladin, ça va être en mêlée. Et le chasseur, sauf s'il joue survie, va être à distance. En plus, il va avoir ses animaux de compagnie qui vont aller tanker pour lui. Voilà, c'est un gameplay qui est très satisfaisant, le chasseur, pour découvrir sereinement WoW. Je suis bien d'accord. Ok oui, Hydro, oui, c'est mon main. On va aller sur mon main après, Hydro, bien sûr. C'est toujours ma DC. Tu as un bon serveur à me conseiller ? Vu le monde qu'il y a sur les serveurs, moi, je te recommanderais potentiellement Isondre, plus qu'Ijal. Quand j'entends encore des gens dire « Ouais, venez sur Ijal », je suis en mode « Mais non, en fait, si j'étais pété de thunes, je pense que je me barrerais sur Isondre, clairement, côté Horde. » Et côté Alliance, par contre, je te recommanderais sans hésitation Dalaran. Le druide, c'est super comme classe, effectivement, Droopy. Pourquoi ? Parce que le druide, c'est la seule classe qui va te permettre d'essayer tous les rôles, si tu le veux. Le druide peut jouer tank, il peut jouer DPS en mêlée, il peut jouer DPS à distance et soigneur. C'est vrai, hein, Elsa, je suis bien d'accord avec toi. Pourquoi j'étais là ? Ah oui, faut qu'on mette un enchantement sur la ceinture. Et après, on va aller, sur ma prêtresse. C'était pour montrer la page de chargement, évidemment. Le paladin fait les 3, non. Il fait pas les 4, Taz. Il fait les 3, oui. Mais le druide, c'est le seul qui fait les 4. Coucou, les DPS distants avec les boomies. Le paladin, bien sûr, il peut être tank, il peut être DPS en mêlée et soigneur. Je go télécharger le jeu. À demain, Droopy. Ça risque d'être un peu long. Et tu verras, on n'aura pas exactement la même interface. Pas de panique. Une fois encore, ça va évoluer avec le temps. C'est pas la priorité lorsque tu découvres le jeu. Voilà. Oui, après, avec le temps, tu vas certainement faire des personnalisations. Tu vas vouloir agencer un petit peu à ton goût. Tu vas ajouter ce qu'on appelle des add-ons et des Wikora en supplément pour avoir plus d'informations. Mais une fois encore, tu vois, je t'en parle que dans les grandes lignes. Ça sert à rien que je te noie d'infos qui ne seront pas nécessaires dans ta phase de pex et de découverte du jeu, tu vois. T'as un peu d'expérience sur les MMORPG ou... Je dis le téléchargement, c'est possible, hein. Moi, je parie sur le DH, Inks.
pour la nouvelle classe, la prochaine classe support, parce que le DH, c'est le seul qui a que le choix de tanker ou DPS en mêlée. Le chassou spébête, c'est un des rares, voire seul distant qui ne caste pas, ce qui amène certaines facilités, je savais même pas ça, Walsh. C'est quoi déjà les enchantes de ceinture? Nous ne répéterons pas les erreurs du passé. Alors. On est en quoi, nous? En maille? Si, c'est de la maille, hein. Oui! Il n'y a que maille qui... C'est une marque de moutarde, ça? Trah, j'ai fait une comment ça s'appelle? Une fondue de poireaux, là, avec de la moutarde et tout, ce midi. Pouah, une tuerie. Et du citron, évidemment. J'adore! Alors, qu'est-ce qu'on veut? Mais c'est pas de l'armure qu'on cherche, c'est une amélioration. Ah! Ce qui lui confère un bonus permanent de 106 à l'endurance. Ah ouais, 6K. Est-ce que j'ai des sous côté Alliance, moi? Un petit peu, ça va. C'est vrai que ça fait cher, quand même, hein. Donc vaut mieux attendre d'avoir un niveau max. Effectivement, on n'enchante pas une pièce d'équipement niveau champion, vu le prix que ça coûte, hein. Bonjour, Achelia. On va faire Everbloom 22, ça te tente avec ton évoque? Allez. T'es sûr? Parce que j'étais très très nulle hier, hein. J'ai même pas ouvert mon Volt avec la DC. Vas-y, juste côté dans la commu ou... Pour qu'on puisse se groupir. Attends, parce que j'essaie d'être sérieuse et de commencer à mettre des enchantés et tout, hein. Rah, j'ai encore des trucs en 441, sans déconner. Oh, et bonjour, Joystick. Mais je l'ai pas vu sur la DC, mais j'ai eu une jolie ceinture bis, du coup, sur la l'évoque. Je l'ai la catalyser. C'est ça. Mais t'imagines, un support en mêlée, ça peut être intéressant aussi, Inks. Vu que pour l'instant, l'évoque, il est à distance. Yes, j'ai envoyé un message. Ah, dans la commu, super. Je need un heal et un tank, mais je suis pas heal, je suis évoque aug là avec ce perso. T'as pas de place DPS du coup? Mince. Il n'y a pas mieux dans toutes les... Tant pire. Alors. Oui, je peux l'augmenter. C'est rigolo ça, vous vous retrouvez sur mon live alors que vous avez pas pu... Enfin, vous étiez dans une guilde ensemble avant, c'est ça, Hydro? Ouais, Droopy, je sais pas si t'es encore là, mais effectivement, si t'as envie d'être en mêlée pour débuter, je dirais paladin. Si tu veux être à distance, un chasseur, ça peut être chouette. Voyez tout ce que Vadraken a... Ça, on l'avait déjà augmenté. Mince. Et ça, je peux pas l'augmenter? Non, j'ai déjà plus... En fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire des donjons, bien sûr, avec l'évoque pour pouvoir me faire des nouveaux crafts. Voilà. Ah, c'est énorme, ça, Hydra. Hydro. Pourquoi je t'appelle Hydra? Hydratation. Je me suis mis de la crème pour les mains. Ah, plus moi! Ah bah plus un! Plus un, moi. Alors s'il y a un heal et un tank de la commu qui sont intéressés pour une Everbloom 22... Alors attendez, il faut que je change mes talents pour cette semaine. Il faudra que je pense à le faire sur la DC aussi, puisqu'on a la fixe de l'enfer. Et il me faut le somnambulisme, hein, c'est ça? Ouais. Pour cesser ces vilaines bêtes. Donc qu'est-ce que j'avais fait? J'avais mis un point là-dedans, hein. Nanaï. Voilà. Respecter mon pseudo. Pardon! T'as le droit de me fouetter, hein, quand je te respecte pas. C'est évident. J'ai ma macro. Oui, somnambulisme qui bouge. Ok. Coucou et merci. Alors, ah, donc tu le joues DPS, ton druide. Tu le joues en mêlée ou à distance, du coup? De toute façon, je le verrai juste après, hein, si t'es un feral ou un boomy, mais... En vrai, cette semaine, ça va, je trouve sérieux.
Moi, j'ai peur, hein. Franchement, j'ai peur, Marco Rico, parce que, à tous les coups, vu que je suis prêtre, je vais avoir l'emprise et l'entrave des morts-vivants. Vu que je suis en pick-up, je vais jouer avec les deux, donc potentiellement ça me gâche un talent, tu vois. Parce que je devrais ne jouer qu'avec l'emprise, concrètement. Mais si je tombe sur des DPS qui se loupent, je veux l'entrave pour pouvoir assurer le coup au cas où. C'est... Non, non, c'est vraiment une des semaines que... Je pense que c'est une des pires semaines pour moi. Une des semaines où je déteste le plus jouer et faire ce que je préfère pourtant, c'est-à-dire les donjons. Je joue et qui... Ok, ok, un petit peu là. J'ai pas pris les Wikora que me conseillait Barbie hier. Et qui ont l'air vraiment pas mal. Ah, il y a des guildes qui ont posté des nouveaux messages de recrutement sur Discord pour celles et ceux que ça intéresse. Augmentation buff reminder icons, je l'ai déjà. Et Dave's clickable prescience frames. J'ai un accent qui pue, hein. Mais j'aime bien quand même, mais j'aime bien. Bureau. Alors, c'est-à-dire clickable... J'entends, je vois pas ce que ça veut dire, clickable. Juste à côté de mes frames, qu'est-ce que... Left click, right click. Ce sont des frames supplémentaires? Ok, je vais tester alors, Lady H. Je rappelle pour l'instant que c'est dans Discord, ce qu'on m'a partagé. Je ne l'ai pas encore mis sur le GDoc parce que je ne l'ai pas encore testé, donc... Voilà, ok. Eh ben, on va tester ça tout de suite. Merci pour la confirmation. Il sélectionne automatiquement les DPS dans un groupe de donjons. On va voir ce que ça donne, hein. Wikora, Wikora. Il y a Shiva Ijal qui a été accepté. C'est toi, Shelia? C'est quelqu'un de la commu? Ah oui, il y a le plus 1 en heal. Alors, importer. Tu vois, Droopy... Si t'es encore là, tu vois, c'est ce genre de choses que j'appelle Wikora, add-on, des choses en plus qui vont nous aider à gagner en visibilité, pour s'améliorer dans le jeu, mais à plus haut niveau. Et c'est pas quelque chose qui va t'intéresser dans un premier temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi lorsque tu seras niveau max, parce que je te donnerai accès à un document où tu auras plusieurs petits, plusieurs informations, justement, de choses qui seront susceptibles de t'être utiles, de t'intéresser. Et on en discutera à ce moment-là, si tu le veux. Ah, cool, Achélia! Ok, ok, je te crois sur parole, Lady H, merci. Bah, comme je dis, j'ai eu la chance, Droopy. Bon, bah, moi, j'ai découvert WoW avec un ami, mon ex. Enfin, j'étais pas seule, et heureusement, parce que ça reste un jeu formidable. Mais moi, qui étais vraiment complètement plus inexpérimentée, pardon, dans ce domaine, heureusement que j'étais pas seule et que je savais, voilà, que je pouvais avoir des interlocuteurs qui allaient me répondre avec bienveillance. Et sache en tout cas que ce sera le cas ici. Et sur la majeure partie des streams World of Warcraft FR, je suis convaincue que tu auras toujours du monde pour te renseigner, t'orienter, et sans pour autant gâcher le plaisir de ta découverte, je l'espère. Qu'est-ce que je cherche, moi? Ça me risque de faire trop, ça risque de m'en faire trop, là, des Wikora. Bon, tant pis, je vais le laisser pour l'instant, histoire de pas être prise au dépourvu sur la clé. GG Vaeline, coucou! Même niveau max, tu n'es pas obligé d'utiliser des add-ons comme moi. Ok, Nico, par contre, je vais te poser une question très importante. Tu fais quel niveau de clé et de raid pour te passer des add-ons et des Wikora? Et tu joues quoi? Parce que vraiment, moi, j'admire, hein, les gens qui sont devins, qui n'utilisent pas DBM ou Big Wigs. Je suis sceptique de votre avancée dans le jeu. Quand même, n'en voulez pas, c'est légitime, je pense. Je comprends même pas d'ailleurs que DBM, etc. soit pas intégré de base dans World of Warcraft. Vu le niveau d'exigence et de skill, entre guillemets, de connaissances nécessaires à pouvoir avancer dans les différents contenus de WoW. Voilà. Mais respect, hein, à celles et ceux qui sont capables d'anticiper des choses sur lesquelles ils n'ont aucune information. Bravo. Vraiment. Oula, mais c'est énorme ce truc! Oh ah ouais! Attendez, oula, oulala, attendez, je vais accepter, hein, je vais accepter, il faut juste que je supprime du coup. Alors ça, faut que je le déplace. Waouh! Oh là là! Flûte!
Ah, c'est énorme, sachant que moi j'ai déjà des grosses frames en plus. Je suis pas convaincue, hein. À moins que je le mette en dessous. Ah, oh, je ne sais pas. Il faut que je vire mon deuxième, par contre, oui, Cora, c'est sûr. Ça prend trop de place. Et ça va se chevaucher, ça. Supprimer. Merci, excusez-moi pour l'attente. Depuis qu'il y a possibilité de faire comme il bot dans les raccourcis de base de WoW. Ça, je suis d'accord, Hydro. Ça, c'est vrai. Pas besoin, je fais que les faire. Et Red, je ne fais pas de... Voilà. C'est pour ça, Nikou. Et après, totalement, c'est un parti pris, c'est un choix. Et on est d'accord que voilà, si tu voulais t'intéresser à du Mythique Plus, etc., t'es obligé de faire appel, et malheureusement, à mon plus grand regret, à des add-ons et Wicora extérieurs, parce que tu ne peux pas deviner les habilités des boss, les timings, les timers, et que bah, si tu veux jouer au jeu un minimum sérieusement, ben t'es obligé, sinon c'est pas cool. Et moi, honnêtement, si j'ai bien une remarque, une critique, une vraie grosse critique à formuler, c'est que c'est pas normal que ce soit pas intégré déjà dans le jeu, en fait. On est obligé d'avoir accès à ces timers pour pouvoir jouer au jeu. Alors pourquoi c'est pas de base dans le jeu? Heureusement qu'il y a des gens qui prennent du temps, et merci à eux hein, pour nous créer des Wicora, pour nous créer des add-ons qui nous permettent de profiter au mieux de notre jeu préféré, quoi. Alors... Je sais pas où je le mets. Oh, je vais manger déjà aussi. Flasque. Come on, come on! Ça, on s'en fout. Je l'ai déjà. Nanana. J'ai trop de Wicora, je suis perdue. Parce que si je le mets là, ce machin, je vais plus voir mes pieds. Oh, il est où, mon autre machin? C'est pas puissance d'ébène. Red ability, non. Ah, je sais plus comment il s'appelle. J'aimerais bien pouvoir les ranger par perso aussi, les Wicora, là, pour m'y retrouver un peu mieux. Dotil, DF. Blight of Galakrond, c'est pas ça. Ah, c'est ça que je veux virer. J'ai peur que ça fasse un doublon avec celui-là. On va voir. Et donc là, je suis juste censée cliquer ici pour mettre ma préscience. Oui, c'est Louis Cora qui a partagé Barbie hier sur Discord d'Uncle J. C'est juste que de base, nous dit Nikou, les joueurs partent du principe que l'on va utiliser des add-ons, mais en fonction de notre manière de jouer, c'est pas obligatoire. Mais totalement. Ah oui, 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 bien sûr, Nikou. C'est vrai que tu vois, par exemple, dans le G-Doc, coucou Harry Ninja, bonjour, bonjour. Dans mon G-Doc, tu vois, j'ai mis en vert les add-ons et Wicora que je considère moi comme les indispensables, les basiques, les... Mais une fois encore, voilà, effectivement, si tu fais du LFR, si tu fais exclusivement du LFR, du farming de mascotte, etc. En effet, et pas du tout de donjon, tu n'en as pas besoin. Je suis d'accord avec toi. Ça va, et toi Harry Ninja? J'ai même pas encore eu le temps d'aller ouvrir mon vault avec ma DC, on m'a kidnappé. Pour aller traîner ma nouvelle ceinture, j'ai des prépotes ou pas? Ça me stresse. Ah bah super. On est en fortifié en plus là. Hein. Alors comment je fais? Là. Ok. Super, je suis stun. À l'aide. Merci. C'est bon. Le petit stun. Ah, ça me perturbe, ça me fait trop de frames. Hein. C'est vrai qu'il y a le sanguin, d'où Jésus? Hello, you. Targeted. Wouah, y a pas de kick là-bas? Non. Ah, ça me stresse, je suis pas bien. Mais je vois ce que vous voulez dire. Si, si, il est bien fait. Ok, le tank est mort, c'est embêtant. Oh ! Ah !
Jason. Coucou Anelka, bonjour Furious. Elle commence bien cette clé. Il y aura un kick à faire sur lui, oui. Ah, là, je me dis, j'ai trop de frames en fait. Ouais, niveau luminosité, c'est super pratique. Ok, je vais faire un DCC. Mince, j'ai kick sur l'autre. Je remets pas, hein, je remets pas une puissance d'ébène là, ça sert à rien, non? Ah, quoi que si, hein. Ok, on n'a rien vu, ce premier bac s'est très bien passé. Ah non, j'ai oublié de BL. Oh! C'est moi la BL! Dispel. Non! Ah, je suis trop nulle! Je BL maintenant? Oui. Ah, punaise! Mais c'est toujours de la faute de ces évoques, c'est pas possible ça. Oh. Ah ouais. Jogo là. Après, c'est vrai que je me dis j'en ai pas spécialement besoin parce que je le vois déjà sur mon healbot en fait. Donc bon, après c'est vrai que c'est un côté très pratique. Bouge de là toi. Oh non, on a cage le même. Ah, c'est embêtant ça. On a cage le même. On a cessé le même. J'ai pas. Je peux pas le refaire. Mais oui, Elja, j'ai honte. Ah, par contre, c'est bien pratique là, le petit machin pour me dire. T'as le bouclier qui est dispo. Ah, ok, il y a le nombre aussi de stacks. Peut-être. Ou je suis pas sûre, tiens. Surtout indispensable. Bonjour, Balash. Indispensable en raid. Oui, pour mieux t'y retrouver, ça je veux bien te croire. Où il est? Ah. Maman, le mosquito. J'ai l'impression que non, ça n'a rien à voir, le truc de 13, si. Je sais pas. Je suis hors de portée. Est-ce que je prends un petit bain de sanguin? J'hésite. Dispel. Pew, 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 pew. 3, 2, Dispel. 1. Ouais, c'est vrai que lorsqu'il y a un DH, eux, ils peuvent le faire instant et... On va essayer de partir du principe alors que le DH il va le faire. Hein. Ah, puis ça se chevauche mes trucs, c'est vraiment pas pratique. Mince, j'ai mis sur le tank en plus là. Ah, oh, cible trop proche. Tiens! Plein dans le sanguin, au secours! Héroïque ou épique édition, ça change quelque chose après les cadeaux en plus? Non, Droupi. Tu vas avoir aussi du cosmétique en plus, je crois. Hein. C'est simplement ça la différence. Je sais même plus s'il y a un mois gratuit avec, avec l'héroïque ou épique. Voilà, ce sont juste les cadeaux qui vont changer, mais t'auras pas, attention, hein, d'incidence dans le jeu. Par contre, et dans ton progress, dans ton évolution, dans ta puissance in-game. Voilà, c'est important, je pense, de le rappeler. Ah, plein de copains! J'ose pas bump. Allez hop, je bump. Mais c'est pour interrupte.
Autant prendre Epic, il y a 5€ d'écart seulement entre la HM et la Epic si tu comptes pas la labo qui est offert sur la version. Ah voilà, donc oui, peut-être que ça vaut le coup quand même alors. Hein. Je me souviens plus ce que j'ai pris. Ouais non, j'arrête, faut que j'arrête de faire les CC. Hein. Le DH, c'est vrai, ils ont un instant, on est vraiment pas égaux là-dessus. Hein. Ouf. Ah, je voulais essayer de l'interrupt, j'ai pas réussi. Non ! J'ai l'impression de servir à rien, je fais mes CC et mes kicks sur les autres systématiquement, c'est un enfer. Ah ! Je voulais lui faire un petit racial là, oui. Hop là. J'ai un kick qui est revenu. On va y arriver, Droopy. Yeah, baby. Stun. Targeted. Non, pas moi. Tiens, ah, ça me fait trop, ça me fait vraiment trop d'infos. J'aime pas. Enfin, à la fois, je le trouve hyper pratique. Mais vu que j'ai mon gros healbot en plein milieu, que j'ai Truffy GCD là, ou je sais plus comment il s'appelle, qui me met les icônes dessus, c'est visuellement là, c'est un enfer pour moi. J'aime pas, ça fait vraiment trop de choses. Faut que je m'organise différemment. Oh, joli bim! Ah bah mince, je t'ai pas apporté. Ah voilà. Ah bah super. J'ai pas réussi à le faire ou je rêve? Mais je l'ai fait sur qui mon CC? Soigneur de... Ah bah super. Sur le soigneur, mais quelle banane. Ça fonctionne pas en plus sur eux aussi? Un adversaire qui se réveille... Je sais pas ce que j'ai fait. Bonjour SN Snow. Ça fait charger là, ouais. Je peux le faire plus tard. Ne le fais surtout pas, malheureux Droopy. Beaucoup plus tard. Non, je te déconseille très 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 vivement. Pourquoi? Parce que si tu montes un perso directement niveau max alors que tu connais pas du tout le jeu, chacun ses envies, ses goûts, hein, mais je pense sincèrement que ce serait le pire moyen de découvrir WoW. Bon bah adieu. C'est passé quoi là? Ah. J'ai trouvé ma classe, je serais perdu. C'est ça, oui, je te le déconseille. Vraiment, honnêtement, moi je... À la fois je comprends ce service client entre guillemets de mettre... un sésame, mais vraiment, c'est hyper dangereux pour les nouveaux joueurs. Tu sais, honnêtement, moi, j'ai utilisé un sésame une fois pour monter le même perso, parce qu'avant, on pouvait vraiment pas interagir côté Horde et Alliance. Donc du coup, j'avais monté le même perso, mais côté dans la faction opposée. Attends. Donc là, le sésame... était justifié parce que je m'en fichais, c'était un perso que je connaissais déjà, que j'avais pas besoin de découvrir, de me retaper toute la phase de Pex, etc. jusqu'au niveau max. Mais sinon, j'avais monté, je crois que j'avais monté un moine parce que j'avais mes sésames qui s'accumulaient au fur et à mesure des années, vu que je les utilise jamais. Mais je les ai gaspillés parce qu'ils servent à rien. Un perso que je connais pas, moi j'ai préféré le Pex justement parce que sinon je sais très bien que j'ai beau jouer à WoW depuis 14 ans. Si j'utilise un sésame, je vais être perdu niveau max.
Parce que c'est un jeu où il y a beaucoup de sorts à faire. Où il y a beaucoup de sorts, etc. Et la plupart des persos, des rôles sont difficiles, je trouve. En tout cas pour moi. Donc j'ai besoin de practice, quoi. Après, peut-être, oui, quand tu vas monter un autre perso, tu montes, je sais pas, jusqu'au niveau 50, et après t'as la flemme, c'est bon, t'as quand même bien en main les grandes lignes du perso. Bon, bah ok, tu fais ton sésame, et puis voilà. Tranquille. Ça, je comprends. Peut-être que je le ferai, hein, si un jour je monte un chasseur, il paraît que c'est tellement facile. Si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça que je te dis. Et même avec le temps, tu sais, on en apprend quasiment tous les jours, hein, d'Ambo, même si on est des anciens. Et c'est pour ça que je me méfie vraiment beaucoup du sésame. Je suis en train de me dire qu'en fait, là, j'ai Ilbot qui est en train de bugger, c'est pas possible. Je le vois pas, je le voyais plus, ma préscience, dessus. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Décidément. Hello! Vous voyez là, ça me montre que... Ouais, bah écoutez, hein, je vais le suivre. Hein. Alors, quel a été ton choix de Roupie pour ce premier perso? Est-ce que tu as décidé? Oui! À chaque fois que tu vas débloquer des nouveaux sorts, il a raison, Inks. Prends bien le temps de les lire, de les positionner sur les barres d'action, sachant que tu pourras le changer, bien sûr, au fur et à mesure. Avec le temps, tu vas dire « Ah, ce sort, il a l'air cool et tout !» Puis après, tu vas dire « Ah, ben finalement, je l'utilise pas tant que ça, ou machin, ben, je vais le mettre à un endroit un poil moins accessible et tout. » C'est très très personnel, tout ça, hein. Cette vision, bien sûr, du jeu. Et de comment tu t'organiseras à l'avenir, ça c'est sûr. C'est très très personnel. Ok. Je joue sans mes barres et mon groupe de donjon n'est pas du tout au milieu, alors quand il l'est, mon Ikora est là où tu as mis ton inbot. Ok, ok. Il faut que je fasse des rescues. Je n'ai pas encore fait. J'aurais peut-être pas dû les stun maintenant, quoique si c'était le dernier moment limite pour les stun avant qu'il commence à y avoir du sanguin dessous. C'est bon, j'ai pas fait trop de bêtises. Ok, je BL le prochain pack. Qu'est-ce qui te fait rire, Jusco? Pas de quoi tu parles. Je t'ai mis un bouclier. 3, 2, 1, AOE. Ouh, j'ai des lags, dis donc. Mince, j'ai fait du air kick, mais quelle banane! AOE. Ah, bouge de là, toi! Vilain! J'aurais peut-être dû nous claquer un truc en plus, là. Oh là, oh là, oh là! 3, 2, 1, AOE. 3, 4, 5. Achevez-le! Ouais, c'est compliqué, là il me restait pas grand chose. J'avais déjà utilisé mes deux ratios. 3, 2, 1. Ah, mais l'abomination est encore en vie! J'étais tellement contente de plus voir le Galva. Hier c'était. Bah, hier, oui, c'était la semaine dernière avec les affixes de la semaine. C'est vrai que c'était difficile, on avait l'impression d'être en tira et fortifié à cause du Galva, non? Je crois que chasseur, ça peut me tenter, comme ça j'aurai toujours un compagnon avec moi, je n'aime pas la solitude. Ouais, carrément. C'est une bonne idée. Ah ben bravo! Mais comment il meurt, lui?
Qu'est-ce qui nous a fait le tank? Enfin. Mais tu synchronises avec les bursts? Les blessures de ton souffle qui accumulent. J'ai rien compris, Elsa. Je n'ai absolument pas compris ce que t'as voulu dire dans ton message. Je comprends qu'il y a quelque chose que je fais mal, ce qui est fort probable, mais je comprends pas ce que c'est. C'est clair comme du jus de boudin! Mais je crois qu'il y a un sort et que je fais pas dans le bon ordre ou un truc comme ça. Ce machin là, du souffle des présages. C'est trop loin. Ah, c'est trop loin, cette fichue portée. Mais c'est pas le souci de regarder le passif du souffle profond, c'est je sais qu'un truc peut être blessure, mais j'ai rien compris. J'ai pas compris pourquoi. Et j'ai pas surtout pas pris le temps de comprendre. C'est peut-être ça le problème aussi. Hey, coucou Rominou! T'es en repos? Ah, c'est un debuff sur les mobs, ça buff les CD de tes copains. Mais les CD offensifs, vous parlez des CD offensifs? Okay, lui, c'est, il a des pop. Ah, mais ils sont pénibles les gens, ils mettent jamais leur CD offensif quand il le faut. C'est pas moi! En même temps, faire cette route sans sous, c'est compliqué, non? Mais il est passé où, le pal? Oh là là. Elle est compliquée, cette clé, hein? Coucou à toi, Ivory! Serait-ce une référence à un film, je pense à Hohai? Où ai-je l'esprit tordu, mais moi j'aime bien. Non, mais qui a fait ça, par contre? Qui a poule là-bas? Deux abominations en fortifié. Mais les gens sont sadiques, hein. Bonjour! Jean-Michel Odengo! Merci pour ton follow. Ils sont sous CD ou pas? Pas du tout. Ah, mais les DH, ils sont tout le temps sous CD, non? 3, 2, 1... Et regarde, Jogo c'est un boomy, donc ah mais moi je garde pour le boss là. Ça m'arrange 3, pas moi ça. 2, 1, flûte. AOE. Excellent cette ref, Ivory. Pourquoi je vois pas que c'est la première fois que tu t'exprimes dans mon chat alors que tu viens de follow la chaîne? Twitch est cassé? Bonjour. Sia. J'ai pas oublié de BL sur le pack d'avant. Mon dieu, j'en peux plus. Lilou Dallas multipass. Right. Ah mince, c'était ça qu'il fallait kick. Je l'ai pas kick. J'espère que quelqu'un va prendre à gauche, hein. Oh, merci beaucoup Hydro, merci. 3, 2, 1. Merci à toi. Right. J'ai 3, 2, left, 1. Oh non, je suis trop loin. Pour... Bah tant pis. 3, 2, left, 1. Quelqu'un, c'est kick pour la Revita? Oui. J'ai... Je suis en plein milieu. 3, 2, 1. Oula! Oula! Tout va bien! Le pauvre...
Le pauvre druide complètement perturbé. Mais je t'assure que c'était bien, c'était pas une vilaine rescue. Ils sont où les CD du druide? Ouais, mais il cédait jamais aussi, là. C'est pénible, ça. 3, 2, 1. Attends, on va se mettre là. Hop là. Ya. Oula, oula, oulala. Je zigzag. 3, 2, on va dire qu'il faut kick ça, hein. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est bon. Encore un grand merci pour le quatrième mois, Hydro. Est-ce que je fais un CC? J'en fais un? Oui. Oui. Ah, c'est ce machin des gardiens jumeaux. Et encore, j'ai pas osé lui en faire plus de deux, hein, de rescue. Hein. Qu'est-ce que... Ah! Ah! On fait ce pack, hein? Oui, 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 oui. Très bien, très bien, très bien. C'est trop loin. Comment ça, c'est trop loin? On a besoin de tout. Le jeu est acheté en téléchargement. Bamos! Futur noob sur WoW, c'est ça qui est bon! Eh, hey, t'inquiète, hein, tu t'adresses à une noob aussi, hein. Oulala, je fais n'importe quoi depuis le début de cette pauvre clé. J'ai hâte que tu découvres les donjons, moi c'est mon contenu préféré. Bonjour, Naëlys, coucou. 3, 2, 1. J'aime ça, j'aime les donjons. Oh ah mince, c'était pas l'eptique. Oh, c'est vrai que je sers à rien quand je fais ça. Non, pardon, j'ai pas fait exprès, pardon. 3, 2, 1. Il doit s'en bouffer les doigts de m'avoir convié dans cette. Ah! Plus on est de fous, mieux c'est. Ça, c'est vrai, Droopy. Mais je sais pas, on m'a kidnappé. J'ai même pas vu le vol tout de ma d'ici. Mais j'ai eu une jolie ceinture sur l'évoque. Et je suis allée la catalyser. Donc j'ai vraiment des super stats. Bien contente. J'espère que j'aurai un truc sympa sur la DC, parce que ça, par contre, ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. Ah! Mortes. Fate. Par contre, je fais pas le bait, hein. Quoique, si, je peux faire le bait, non? En évoque. Ouais, ma portée de nuke, c'est pas du tout une excuse, hein. J'essaie de les bump, hein, mais ça veut pas. Ok, tu le fais? Parce que je suis en train de me dire, si, y a pas besoin d'être super loin, faut juste quelqu'un qui soit légèrement à l'écart et c'est bon, quoi. Ah! Donc faut que je fasse le souffle sur les CD de mes camarades, sauf que bah, je suis jamais en même temps que mes camarades, hein. Voilà, faut dire ce qu'il y est. Fate. Applique puissance d'ébène pendant 5 secondes. Blessure temporelle accumule 11% des dégâts infligés par vos alliés. Donc oui, il faut que ce soit pendant la puissance d'ébène, de toute manière. Oh non! Notre heal est mort! Ah non, il est revenu. 3, 2... Ah, ça c'est très embêtant. Dernier CD. Très sympa ce pack. Par contre, on risque de pas la timer là. Wouah, j'avais pas fait attention au timer. 10 morts, c'est pas
si horrible non plus, mais... Ah ouais, on va sûrement la diplette, en fait. Mince. Partie en socket. Ah ouais, Nelly, je suis désolée pour toi. Eh, par contre, j'ai gagné un petit peu de DPS. J'ai claqué mon CD pas du tout de la meilleure manière. Je vais prépote vite, c'est fait. Là, c'est bon. Où il est, mon droïde? Droïde! Ah. Non. Bait. Le bait. J'ai un CD def, oui. Oh non! Ah là, c'est foutu par contre. Bait. Là, c'est tendu. Malheureusement. Flûte. 3, 2, 1. Ah mince. 4. Ah. Je meurs pas. J'avais deux CD, je les ai même pas claqués. Je suis virée. Bait. Le bait plus orbe, est-ce que j'ai quelque chose? Ouais. Oula, oulala! Ah! Vilain glaçon! Flûte! Ah, je crois qu'on me la dispelle, non? Eh ben. 3, 2, 1. Non! Ah, là, c'est compliqué. Quoique. Ah mince, j'avais récupéré mon gros. Mon brasier, j'avais pas fait attention. Bait. 3, 2, 1. J'ai claqué le Zephyr, mais j'avais mieux en CD def, malheureusement. Et le dépléto. Coucou Don Diego. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? Ouais, donc déjà, idéalement, de toute façon, le souffle en open. En open de pack. Non mais déjà, Jogo, il y avait un Evoco qui claquait pas la BL de manière systématique. On vient de la récupérer. Je vais pouvoir la claquer sur le dernier boss, mais deux minutes malheureusement. C'est foutu. Nous avons attiré son attention. AOE. AOE. Tapez! Shockwave. AOE. Ouhou! Clear. Hello you. Oh, mais comment je fais pour me louper comme ça sur ce machin? Ah, super. Je l'ai fait, hein, le cast, en plus, hein. Comment ça, sur Yalnu? J'ai enlevé ma macro, elle bug complètement. AOE. On est d'accord, j'étais tournée vers le machin, je... Ça l'a pas du tout envoyé. Et bonjour, Zefzef. Tu viens de rentrer du boulot?
Ok, là on claquera du CD pour assist. Ouais, j'ose même pas, pourquoi? C'est ma, la même macro que sur ma DC pourtant. Clear. J'aurais peut-être dû en laisser quelques-unes là pour leur gros kiki. AOE. Ah, j'ai pas prépote hein, sur le dernier. C'est pas que j'y croyais pas niveau timer, mais ouais, j'y croyais pas. AOE. C'est vraiment dommage, ouais. J'ai fait perdre du temps aussi à oublier les BL, ça, c'est sûr, par contre. Clear. All simple monkeys feeding rabbits. Il n'y a pas de vilain ancêtre, non. Ah, j'ai même pas fait de rescue, du coup. Ah, j'ai essayé, j'ai essayé. Je vais pleurer sur l'épaule de notre Boomy, pétard, qui finit quasiment à 400k overall, en plus, les boules, hein. Il remonte tout le temps ce machin, voilà. Je suis déçue. La 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 la. Et j'ai re-heal bot qui bug, effectivement, je vois plus la préscience dessus, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Ouais, et encore, apparemment, il y a un truc que je fais pas assez bien, Jogo, mais ça va venir. Eh, j'ai jamais eu un aussi gros overall, donc déjà, c'est que je suis pas si nulle que ça, mais c'est pas terrible quand même. Hein. Je suis qu'à 52% de préscience. Bon, après, j'étais un peu perturbée vu qu'on a essayé des nouveaux trucs, mais... Et effectivement, ça s'affiche plus sur mon healbot, mon... ma préscience. Alors, pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin, en fait, de ce truc. Ça me fait exactement la même chose. J'ai juste besoin de faire mon clic gauche sur mon interface d'healbot pour mettre préscience. Donc, j'en ai pas besoin. La barre details, il faut pas la regarder. Elle est pas du tout calculée comme il faut. Ah, bah je sais pas trop alors. Il botte. Viens là. Attendez, j'ai un coup de téléphone. Non mais encore ces trucs de pub là, de nuke, quand t'attends des trucs importants et que t'as des blaireaux là qui viennent te faire suer, non mais sans déconner. Message automatique et tout en plus. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup, effectivement le temps qui avait l'air légèrement perdu, cela dit. Ah, t'as vu que c'est long, Droopy? Alors, pourquoi je vois plus la préscience moi? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Est-ce que je le re-rajoute? Je l'avais mis dans quoi? Je suis sûre que je l'avais rajouté. Bougez, bougez. Est-ce que... Dans quoi je l'avais mis? Dans buff custom? Ah, the new buff to current category. Peut-être là-dedans, ouais.
Non, mais là, je sais pas, en fait, c'était de la pub, c'est juste que j'attends des coups de fil, j'attends un coup de fil, j'attends des nouvelles de ma grand-mère, et là, c'est, je sais pas, c'est ça semblait être un truc automatique d'EDF, ou j'en sais rien, pour informer de la hausse, enfin, genre, on le sait pas, tu vois, il suffit de regarder les factures, mais je... Donc je sais pas, aussi bien c'était pas du spam, tu vois, mais dans tous les cas, c'est le fait qu'on te téléphone alors que t'as rien demandé, qui est insupportable. Et je suis pas du tout d'humeur aujourd'hui, bonjour Krawit, coucou à toi. La pub, c'est ce qui t'aide à te faire des sous, non? À qui? À moi? Droupi? Mon pauvre, tu savais ce que je gagne avec la pub? C'est pour ça que j'ai mis au minimum. Parce que je trouve que ça fait fuir les gens, et c'est pas comme si ça m'a rapporté des 1000 et des 100, donc on est d'accord, un sou est un sou, mais... La pub, oui, j'ai un pourcentage dessus, si tu parles de la pub sur Twitch, mais clairement, non, c'est pas... C'est... Alors, c'est... Presque... C'est presque une semaine de course. Si vous voulez que je sois honnête avec vous. Hein. C'est presque par mois. Hein. Là, ce que je touche à peu près en montant, de ce que me rapportent les pubs sur Twitch, c'est à peu près, on va dire, l'équivalent de course pour une semaine. Ah oui, voilà pourquoi j'ai aucun intérêt à vous bourrer de pub, hein. Parce que bah ça je crache pas dessus, bien évidemment, mais c'est pas ça qui me fait plus manger que ça, quoi. Ça me fait un peu manger, certes. Un plein de courses, à peu près. Voilà. Ah non, c'est... Ce qui aide à se projeter et ce qui peut aider à tenir, ce sont... votre générosité vis-à-vis des dons, vis-à-vis des subs, en particulier, puisque qui dit sub dit potentiellement récurrence. Voilà. Mais certainement pas les pubs. Les pubs, c'est Twitch que ça gave. Voilà! Ah oui! À moins d'être un streamer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de viewers, ce qui n'est pas mon cas. Je ne comprends rien à Ilbot. Je vois plus la préscience. Je sais pas. C'est pas du tout. Initialisation, veuillez patienter, c'est bon signe. Eh ben, c'est que ça se prépare à charger. Eh, je t'ai dit, hein, t'es pas prêt, hein, tu vas pas jouer tout de suite, hein. Détends-toi, Droupi, hein. Maintenant que t'as pris la décision, il va y avoir quelques... un peu de réflexion. C'est méga long, hein. Wow. Alors, préscience sur vos aides. Je sais pas si tu m'entends, Jusco, désolé pour ta clé. Spell... J'ai l'idée, tac. Je suis hors de portée. Il est où? Est-ce que j'ai un boomy là près de moi? Ah, voilà, c'est bon, je le vois. C'est trop loin. Viens là que je te préscience. Viens là. Je suis hors de portée. Où il est? Mince. Et salutations à toi, Atalante. On peut t'emmener en clé trappe du mardi dès le mercredi. Bah, j'étais pas au courant, mais il semblerait que oui, Zef. Ah, merci, Jogo. C'est bon, je revois. Je vais l'enlever, moi, parce que je fais juste un clic et c'est bon aussi. Hein. Donc, je vais l'enlever, en fait. Je vais l'enlever, celui-là. J'en ai pas besoin. Ça fait trop chargé pour moi. C'est ça, hein, que je viens de virer. Ah oui, c'est bon. Par contre, j'ai viré celui que j'avais là et je veux le reprendre. Oh. Dites-moi qu'il est dans mon G-Doc. J'ai pas encore ouvert mon vault sur ma DC. Faut qu'on aille l'ouvrir. Ah non. Je l'avais pas mis sur le G-Doc. J'ai envie de mourir. Oh non. Ah! Je fais que des bêtises. Donc, Wago.io, c'était quoi? Oui, Cora, Dragonflight. Un up des jambes, GG. Je vais aller voir avec la DC, mais d'abord, j'essaie de retrouver mon Wikora que j'ai viré, moi, sans faire exprès. Enfin, si, j'ai fait exprès, mais... Du coup, enfin, à la fois, je suis contente hein, lorsqu'on me partage... Mais comme je dis, enfin, là, c'est des trucs que j'avais déjà, en fait. Sauf que c'est de manière différente. Et ce qui vous convient à vous, enfin, j'en avais pas besoin. C'est...
Et moi, je suis, ah bah, si on me le propose, c'est que c'est mieux ou que machin. Non, non, c'était pareil, sauf que j'en avais pas besoin. C'est pas grave. Et merci beaucoup, bébé Pampers, pour le deuxième mois. Merci pour le Prime. Merci, merci. Et je sais plus ce que c'était. Ah. Prescience Priority List and Glow. Non, c'est pas ça. Oh, ça y est, je sais plus ce que c'était. Il était trop bien en plus. Oh. Je crois que c'est ça. Show a list of your own applied prescience targets. Bah voilà. Pourtant simple, David. Il faudra que je le mette dans le G-Doc. Ça m'évitera d'être perdu. T'as eu quoi comme clé, Jogo? J'espère que c'est une que tu need. Et franchement, tu t'en sors super bien. T'as combien de D-level, là? 481, propre, hein. C'est beau. Oui, Cora. Importé. Coin, coin. C'était pas ça. C'était pas le lien. Copier le texte encodé, c'est mieux. Ah, je me fatigue. Voilà. Très bien, ça. Le puissance d'ébène, il est là-haut. Impeccable. J'en avais pas un ici aussi, là, de Wikora pour la pour l'évoque. Je sais même plus où il était. Prescience Group. Bon, bah, je sais plus. Ah, il est là. Voilà. Je vais regarder mon vault. J'ai fourré 24, c'était la clé de mon pote DH. Mince! En tout cas, j'ai déjà lu, hein, pour la réactivité. Par contre, au niveau de la fixe, ça fait trop plaisir. Moi, j'ai juste fait n'importe quoi. Je pense que je vais virer ma macro. Je comprends pas, je comprends pas. Je suis en macro mouse over. J'étais tournée vers le machin. Et ça me le faisait pas. J'ai pas compris. Genre, ça le faisait sur le boss, alors que j'avais je tournais le dos au boss. Et j'avais la souris sur l'élème ACC et ça le faisait pas. Je comprends pas. Tant pis. Hein. C'est repos que j'ai du mal. Le boss sur Nicoton, c'est vraiment un truc que j'aime pas. Repos de Galakron, Chante Ciel. Ouais, le second, c'est un enfer. Et je suis d'accord, hein, Karak, avec Naëlys, moi. Je suis d'accord avec Naëlys. Pas de nouvelles. Ok, je regarde le vault avec la DC. Et puis on voit si on reste sur l'évoque, sur la DC. J'avoue, j'hésite. Merci pour l'invitation, Jogo. Je suis désolée, par contre, de pas avoir fait mieux. J'avoue que le premier pool, surtout, quoi. Ça aurait été sympa que j'y pense à la BL, mais... Ah, regardez pas, elle est nue. Non, j'ai encore oublié la transmission. Aïe, aïe, aïe. Après, elle est pas évidente, hein. Merci, Achelia, merci. Elle est pas évidente, Everbloom. Quelles que soient les affixes, je trouve que c'est une des plus difficiles. Je sais pas quel est votre ressenti. Je sais que pour beaucoup, c'est Murozon. Mais Everbloom est pas mal, quand même, aussi, en termes de difficulté. Merci beaucoup pour Nelobi, pour Aluka, Shoba, Kikerosine, Noctea, Sintu, Passion, Dino Killer, All Geek Player, Doukalin, Ishtar et Ghost Airless. Merci beaucoup, Achelia. J'étais pas assez rescue, par contre, je pense. Voilà. J'ai même pas regardé quelle était la quête de la semaine. L'avant-dernier, Lady H, il est trop dur aussi, hein. Attends, si on parle d'Everbloom. Hein. Rise, c'est la pire. Sérieux. 10 expéditions, ok. J'ai vu, ouais, Tartifesse. Excellent. Mais pour moi, ça reste Galakron pire que Murozon. Je maintiens ce que je dis. C'est une question de goût, hein. Après, le fait qu'il y ait eu un gros nerf de Murozon corrobore le fait que ce soit une des, si ce n'est la plus difficile. Certes, je peux pas le nier. Quelqu'un a des infos sur ses nerfs d'ailleurs? Pas plus que ce qu'a décrit Achelia. Merci Vaelden. Sur Woed, non? Merci Vaelden, merci beaucoup. Oh là là, 20 abos. 20 abos avec un Z. Comme Zazu! Merci beaucoup Vaelden, merci. J'aime plus Morshi depuis que je me trompe moins, dit-elle alors qu'elle est complètement morte hier, raplapla, mais... C'est à quel moment qu'on peut enfin voler? J'en ai marre des montures qui marchent. Je crois que c'est automatique. Venant Keyette à partir du niveau 20, non? Cher Commu.
J'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Attends, je vais te le retrouver rapido. Vous avez éclaté le train. Merci, il est niveau 5. Merci beaucoup. Alors, Woed. Bureau. Bah bah là. Page d'accueil de Woed. Ça. Je t'envoie le lien tout de suite. On a éclaté le train de qui? Le mien. C'est pas level 30. Je sais que c'est automatique maintenant, mais je sais plus à quel niveau. Tu veux ma paix? Oui, 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 oui. Je vais te la donner. Oh, merci beaucoup. Jusco, il a pas eu ma paix. Il a eu des préciences partout. Merci beaucoup, Koro. Merci pour Agu, pour Ika Wolf Blue, Warsong, Lunei, Krakitek et Valden. Ouais, bah ok, super, aucun respect. Moi, j'ai donné 20 subs. Elle a même pas lu les noms. C'est vrai. Je suis confuse. Suivant. Et bah effectivement, c'est le niveau suivant du train de la hip. Nous sommes niveau 6. Merci beaucoup, Koro. Et je sais que vous en voulez, ma pays. Coucou, Aluka. Mais je pense qu'elle est encore là, Aluka. C'est Achelia qui a ouvert les hostilités, si je ne dis pas de bêtises. Bienvenue à toi, Yen Nico. Merci pour ton follow, coucou. Pardon, pardon. Bonjour, Sintiu Passion. Bonjour, bonjour. C'est la journée de la ceinture, hein, par contre, je sais pas. Sur mes deux persos, de la ceinture. Sauf que bah, sur celui-là, ça m'intéresse pas trop. À part que les stats sont potentiellement mieux, mais bon. Je suis plutôt contente de mes stats, hein, pour être honnête. Allez, si je veux vraiment chipoter, je manque de crit. J'ai trop de poly par rapport à mon crit. On va aller voir ça un peu sur Murloc.io. Mais je pense que je vais prendre une chasse, hein, je vous le cache pas. Bureau! Encore un grand merci pour le chouchou. Journée de la ceinture, ça me motive pas trop. Allez, me coucher, ça. Ok, ça y est, j'ai compris. Enfin, je crois avoir compris. C'est très coquin, ça. Ok, mais très bien. Écoutez, il faut que ça fouette le sang, c'est l'hiver pour la circulation. C'est ça, Lady H. Alors, les pristes, c'est par là. T'as pas honte de parler de ce genre de choses avec une prêtresse, enfin. Alors, nous disions... Bonjour. Qu'est-ce qu'on devait regarder? Les stats des prêtres d'ici. Les stats des prêtres d'ici. Mon Dieu. Coup critique. Eh ben non. Ah ben ça fluctue, hein. Ah ben j'y touche pas. Non, non. 21, moi j'étais à combien? On a dit 23. 37 de hâte. Moi je suis à 35. Pas mal. Mastery 24 et 19 en polyvalence. Mastery, je suis à 29. J'ai beaucoup trop de mastery. Et polyvalence, je suis à 17. La plupart des gens sont à 19. Ça va, j'ai quand même des bonnes stats. Donc non, je pense que je vais prendre ça. Voilà. Alors, on va regarder notre clé. Je vais fermer un petit peu des onglets parce qu'on n'y voit plus rien. Woed, le patch, tac, tac. C'est marrant, Lady H, elle se garde bien de me répondre, hein. Ouais, je pense que c'est un soulagement pour beaucoup de monde, Achelia. Alors, la clé. Il faut que je range mon sac. Bastion du Freux 26. Ok. Ok. Je la need, en plus. Donc c'est cool. Les affixes sont toujours aussi reloues, par contre, ça aussi. Et cette semaine, donc, comme je dis, à voir, est-ce que je sacrifie systématiquement un de mes talents pour jouer l'entrave des morts-vivants en plus de l'emprise? Je sais pas. Je faisais allusion à l'expression faire ceinture, vous avez parfaitement compris. Alors j'hésitais entre celle-ci et une autre du même registre, mais qui était pas exactement pareil non plus. Ok. J'essaie de mettre au propre ma note de synthèse sur la liberté d'expression du salarié. Je vais éviter d'y écrire trop de bêtises. Oui, veuillez m'excuser, Lady H, de vous avoir perturbé avec mes élucubrations de pauvre prêtresse, évidemment. Alors, est-ce qu'on essaye de se faire une clé sur la DC?
Il est quelle heure là? J'ai encore du temps, tout va bien. C'est l'anarchie, hein, ce pauvre sac là. Oh, est-ce que j'ai de quoi acheter une chasse d'ailleurs? Je peux regarder. Coucou Geoffrey. Bonjour, bonjour. Go Sim 25. Pourquoi Sim 25? Pourquoi? C'est très précis. Pourquoi Sim 25? Qu'est-ce que je fais moi? Ah oui, c'est là. Oh non, j'en ai pas encore assez. Pour profiter des nerfs. Ah, c'est pas faux ça. Grave. Vas-y, on y va direct. Janie dans combien moi? Effectivement, Janie dans 25. Carrément. Ah, c'est une bonne idée. J'ai pas encore fait la commande pour les VIP là de It's a Trap. Ça vient. Ah oui, il y a la commande qui arrive. Merci, merci beaucoup pour le chouchou, la commu. Suivant. Voilà, il y a eu celle-là. Il faut que je fasse ce It's a Trap. C'est marqué sur mon papier, qui est caché sous mon calendrier, sous mon carnet, sous mon autre cahier. C'est censé être marqué là. Hein. C'est pas marqué là. Je l'ai marqué où? Ah bah super. Tu m'étonnes que je m'en sois pas souvenu. Ah oui, j'ai quand même marqué des notes sur une parodie de Weshden. Hein. T'oublies tes CD def et tu hors de ma bulle. Ouais, faut que j'arrête de prendre des notes comme ça. C'est effrayant. J'aime bien. Sauf qu'après, je retrouve plus ce que je cherche et je sais plus où j'en suis. Ah, c'est l'autre papier. Ah, c'est là. Commande des VIP suivant / It's a Trap. J'en ai fait un sur les deux. C'est pas mal. On est bien. On avance bien. Je me fatigue. Ah, mais Champollion, il serait face à mes notes, il serait désemparé. Hein. Voilà, Droopy. Hey, je te dis, je joue un autre jeu en attendant. Wow, faut pas être pressé. Voilà, c'est pas du RP de citron ici. Non, faut... Salade de fruits. Fais autre chose. Fais un puzzle. Je suis horrible. Non, mais c'est très long. C'est très très long. Ok, on regarde. Je dis ça, je crache un gros nuage de fumée. Je ne vois absolument plus rien. Murozon. C'est ça, Murozon. Qu'est-ce qu'on y dit encore aussi? Atal d'Azhar, ça peut être sympa. Enfin, sympa, une semaine où il y a ce fichu affix et du sanguin, je suis pas convaincue que ce soit le terme le plus adapté. Hein? Joli. C'est bon, t'as la ref, Koro, t'as l'air en tête, là? Ah, c'est horrible. C'est affreux. Coucou, Limubai. Merci beaucoup. Et bah, écoute, belle journée à toi. Bon lurk. Merci à toi, merci à vous d'être là. Et bon courage, quelle que soit l'activité à laquelle tu t'adonnes. Alors, on a dit du 25, c'est vrai, hein. Regardez là, la semaine prochaine, hein. Flore éternelle 24, il nous faut, on a dit. Ah, il n'y a pas tant de choix. Deux chests, oh, calmez-vous. On se calme. Ah bah les dents, il n'y a pas grand-chose, on va peut-être devoir plus diversifier. Peut-être même être obligé de faire de la clé commu un mercredi. Incroyable. Non, j'ai pris les jetons malheureusement de Jusco. C'est réciproque, Licagno, crois-moi. Merci beaucoup Darkios, merci pour ton follow. Bon jeu également. C'est quoi ton add-on de recherche et même plus? Il s'agit de Premade Groups Filter. Premade Groups Filter, tu le trouveras dans mon GDoc. Sinon, bah, tu peux le recopier maintenant si tu le veux. En théorie, je live quasi quotidiennement, dès que possible. En général, milieu d'après-midi, fin d'après-midi, Droopy, je t'invite à me rejoindre. Je vous invite, hein, si ce n'est pas encore le cas, à me rejoindre sur Twitter et ou Discord, point d'exclamation Twitter, point d'exclamation Discord, où les liens sont directement dans la bio de la chaîne, si vous le voulez. On va dire que je fais de mon mieux pour vous retrouver le plus souvent possible, Droopy. Voilà. Et j'espère que tu vas bien. Happy! Coucou! Je vais faire la complainte du démo sur Anissa. Tu oublies ta pierre de soin et tu sors de mes pluies. Ça y est, j'ai contaminé Koro. J'ai honte. Ah oui, mais il y a matière, hein. Il y a matière. Surtout que j'ai découvert le vocodeur. C'est affreux. Voilà. J'ai mon collier bis dans le vol. J'ai pris 1% de DPS GG. Et ben moi, j'ai pris rien. J'avais des ceintures. C'était la journée de la ceinture. Voilà. Donc pour les plus pervers d'entre nous, ça a pris une autre tournure. Mais pour moi, en tout cas, ça m'arrangeait pas. Crois-le.
Oh, un moine. Ah, ce sera Taldazar. Mince. Alors, hello. Qu'est-ce que je fais? Taldazar. Souvenez-vous, c'est un des seuls donjons où je disais « Ah, j'ai l'impression que je dis jamais ma pénitence ultime. Est-ce que je prends le risque de la virer ?» Non, je l'aime bien. J'ai pas envie de pas jouer avec. Qu'est-ce que j'ai? Du paladin, j'ai de l'évocateur. Allez, je trust, hein, je prends que l'emprise. Et non, j'ai pas besoin de mon dispel maladie. J'adore cette chanson. Elle me fait quelque chose aussi, mais... Sublime. S'il me faut le dispel maladie. Non, pas de masse dispel, hein. In a night. Il nous manquera un tank. Yes, no. Et bonjour, Nakoax. Yes, no. Should be sorry. Just find me, but... Maladie, ce n'est pas sur le boss totem? Non. Non, maladie, c'est sur... Ah si, pardon, c'est sur le boss totem. Exactement, Inks. Oui. Oui. Il y a un autre endroit aussi, mais je sais plus lequel. Avec des adds, je crois. Ah, c'est une ref à Tigre et Dragon. Excellent. Ouais, c'est ça, Lady H. C'est un peu triste, mais... Ah, je t'assure, quand des fois je me tape des phases et tout, tu chantes à fond là avec du vocodeur. En fait, ça transforme tellement ta voix que tu peux... Enfin, si tu veux chanter faux, ça va te faire chanter juste. Et si tu veux chanter... Enfin, c'est très bizarre, vraiment. Et effectivement, bah, ça donne une patte assez hétérogène pour beaucoup de voix qu'on entend désormais, et c'est juste ça par contre qui est un peu dommage. Je trouve que ça lisse trop la réelle personnalité vocale derrière, c'est dommage. Mais c'est un effet qui est intéressant, hein. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, j'avais entendu, bonjour à toi Snoozer, que la première à démocratiser cette pratique, et dans le sens noble du terme, c'était la chanteuse Cher, avec sa musique, là, Do You Believe in Love, Afterlife, machin, vraiment, hein, véridique. C'est génial, non? Barbie qui m'a jamais entendu. Oh là là. Enfin, jamais entendu. Vous êtes détraqué ou quoi? J'ai une certaine attirance pour ce qui touche. Et coucou Warsong. Bon, on va dire là que je recommence doucement à chanter. J'ai pas pu pendant très longtemps. Même parler, hein, limite. J'avais des nodules sur les cordes vocales. Et là, c'est en très bonne voie de se résorber, donc je suis plutôt contente. Et maintenant, il faut dépasser le blocage de se dire oh, ça va encore se casser, se briser, saigner. Non, non, normalement, c'est censé être bon. Il faut juste y aller doucement et ça devrait revenir. Oh, c'était Yes No. Yes slash No de Naman. N-A-A-M-A-N. Ijbal. Et n'oubliez pas que les sons apparaissent au milieu, hein, de l'écran. On est sur Spotify grâce à vos dons, grâce à votre générosité, donc merci. Ça va partir sur Natal 25, du moins si on parvient à trouver un tank, parce que c'est... Calme, très calme, trop calme. Et là, c'était quand... J'ai bien avancé sur un de mes projets, là, bah, le week-end dernier, où j'étais pas du tout en état de live. Par contre, j'étais en état de faire d'autres choses et je suis plutôt contente. Voilà. Je peux vous le dire, ça par contre, 2025, il y aura des choses différentes. Il y aura des choses différentes. Pas forcément sur la chaîne, mais je sais pas encore sous quel format, mais en tout cas, j'avance bien dessus et je suis plutôt contente. Voilà. J'en dis pas plus. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. C'est vrai, Nailis, c'est vrai.
Alors, peut-être que ça te plaira pas, Droopy. C'est pas grave, moi ça me plaît beaucoup à moi. Drossvar, pas du tout. Attendez, moi j'attends avant de prendre le portail parce qu'à tous les coups... à tous les coups, bah ça disbande, je sais pas. Dans Star Trek? Ah non, moi je veux celle de Star Wars, yo-yo. Recette de cuisine Bayafro. Perdu, Klaus! Ah non, mais vous trouverez pas. Impossible. Impossible. Même si ça plaît pas, ça coûte rien. Ça, c'est vrai. Mais c'est très noble de ta part, Droopy. Sinon, t'as 2% de ton téléchargement? Oh, c'est pas gentil. Oh, oh, c'est méchant. Pardon, pardon. Mais je suis tellement triste parce que j'imagine ton enthousiasme. T'as trop envie de commencer à découvrir et à jouer à WoW et tu peux pas parce que le fichu téléchargement est méga long, en fait. Ah, ils hésitent à le prendre. Vas-y, ils sont en mode... Je pense qu'ils attendent depuis longtemps parce qu'ils sont en mode... Attendez, on attend un tank un peu plus tanky ou let's go, on joue. Ah là là. Et en fait, les tanks, si vous voulez... Le mercredi, c'est le Jean-Claude du Sisme pour les tanks. Hein, parce qu'il y a personne, j'ai l'impression, qui joue le mercredi. Tu vois, j'y étais presque, Droopy. Ah non. Non, non, l'immobile, par contre. Non, 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 non. Ah non. Mais tu sais, même quand je pouvais chanter, j'ai jamais envisagé d'en faire un métier ou quoi que ce soit. De toute façon, je crois que je suis incapable de faire exactement, systématiquement et tout le temps la même chose. Je peux pas. C'est pas du tout dans ma nature, en fait. Elle dit ça, mais elle fait 50 fois la même clé d'affilée? Ça n'a rien à voir. Rien à voir! Coucou Pouponette! De tout, Jusco. Mais à la base, j'ai une formation dans le lyrique, moi. J'étais chez les Lyonnais, chez les Gaunes, à la maîtrise de l'opéra, dans une autre vie, il y a fort longtemps. Je crois que tout le monde est là, hein. Ouais. Après, si, oui, j'ai fait pas mal de spectacles dans le cadre de l'animation, de théâtre, de... Et justement, dans le cadre de l'animation, ben, hygiène de vie qui pue, plus tu hurles, plus t'as des conditions pas forcément top, d'hygiène de vie, de machin, plus la vieillesse, et ben voilà. Voix brisée, corde vocale en compote, nodule inopérable, et voilà. Je m'en souviens, en plus, je l'avais appris juste avant de partir pour ma dernière saison. Je pouvais pas aller me faire soigner, parce que, ben, fallait bien aller travailler, fallait bien aller gagner de l'argent, donc... voilà. Pendant des années, dès que je parlais un petit peu trop, dès que j'étais fatiguée, j'avais plus de voix. Donc chanter, c'était un lointain souvenir. Ouh là là. Peut-être bien, et je balle. Hein. Évidemment. Évidemment. Cela dit, j'étais la meilleure chanteuse de ma douche. C'est en bouche un coin, hein. Après, moi, je m'en fous, j'ai rien à prouver à personne. Hein. Comme je dis, je me suis jamais définie comme chanteuse ou je ne sais quoi. Je m'en fous. Je fais ce qui me plaît. Et de mon mieux. Avec les affixes. Décidément, je crois que c'est l'histoire de ma vie. Hein. Alors, my god, moi, gna, j'ai pas compris. Gâteau. Table, je m'en blesse. La dernière fois que j'ai chanté sur la chaîne, c'était... Non, ça, c'était l'avant-dernière fois. C'est pour mon anniversaire l'année dernière. Le petit burn-out après. Bon. Où c'était il y a 2 ans, je me souviens plus. Ah si, c'était la dernière fois que j'avais chanté, parce que la dernière fois que quelqu'un a chanté sur cette chaîne, c'était Don Diego. Ça y est, ça me revient. Pour la Saint-Valentin l'année dernière. Oh, c'est le meilleur, Don Diego, quand même. Hein. Il est trop fort. Et bonjour, Tuxi. Bah oui, mais où étais-tu passé, enfin? Coucou toi, Grir. Tu le gères avec quoi, la fixe en DC? Avec l'emprise. Pourquoi? Parce que lorsque tu mets sous emprise la fixe, il t'aide à affaiblir les cibles. Seconde option, l'entrave des morts-vivants. Tu vois, en théorie, je devrais jouer avec les deux. Mais je me suis dit, j'allais faire confiance au groupe. Sachant que tout le monde dans le groupe peut faire la fixe. Hein. Donc je prends le risque de ne pas jouer avec. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je t'en prie, Grir. Mais l'acoustique... Non, le mieux, c'est l'acoustique des salles de bain. Je suis désolée, ça résonne, c'est génial. J'adore les salles de bain.
Certaines toilettes, ça peut être cool aussi, mais je vous cache pas que je déteste perdre mon temps dans les toilettes, donc moins j'y reste longtemps, mieux c'est. J'ai pas du tout vu s'il y avait une route. C'est normal, il y en a pas eu. On va tous crever. Le mage, il fait le bait. Le mage, il fait le bait. Oui. La prêtresse, protégez-la. Empower. Si. Bah, allez, dedans! Au feu! Ah mince, j'ai pas pensé à changer mes trinkets! Bon bah écoutez, j'aurai un peu plus de survie, hein. Bonsoir, Ezark! Quelle belle semaine de mythique, c'était ironique ou pas? Parce que j'ai pas vu de kappa! Dis-moi que c'était ironique. Après, cela dit, je respecte hein, les goûts de tout un chacun. Voilà. Tu vois, c'est devenu mon copain, Greer. Il est devenu vert, donc maintenant il m'aide. Bait. What? Pitié pas sur moi. Mais je décollais au mur, enfin! Je rêve ou il y a quel... L'évoque est partie dans l'autre sens. Je rêve pas. Janvier 2024, Atal d'Azar 25. Mercredi 24 janvier 2024. C'est beau. Bonjour, comment perdre notre temps, mesdames, messieurs? Oh là là, je vais l'os comment? Oh non. C'est bon. Alors, heureusement, le tank a bien géré. Est-ce qu'il a compris, là? Voilà. Va dans l'autre côté, monsieur. C'est bien. Didou ! Coucou à toi. Get to the moon. Bienvenue. Ah bah super, j'ai pas pu faire mon halo. Par contre, recule un peu mon nounours, merci. Ah, c'était ironique, Reza. Non, c'est jamais. Eh, hey, oubliez pas, moi, je vois pas le kappa. Je respecte les goûts. Les goûts et les couleurs, voilà. C'est... Qui suis-je pour juger Par contre, qui sont les benets qui sont de l'autre côté? Non, mais c'est effrayant, hein. Regardez-le. L'évoque et le mage de l'autre côté, mais... Mais enfin. Bonjour, sweetie. Ah bah, je râle. Pour changer. J'espère que t'as passé une meilleure journée que moi. Même si je sais que toi aussi t'as ton lot de poisse, on va dire, hein, voilà. Donc contente de te lire en tout cas. Je dis plaît déjà, Sim, ok. Je préfère la fixe à CC que la fixe à dispel, ah bon? C'est fou ça. Ah ouais, non, pas moi, hein. À moi! Je rappelle qu'on aime les chasseurs qui jouent bien cette semaine. Voilà. Pourquoi? Parce que, amis chasseurs, vous pouvez mettre des pièges sous la bébête juste avant qu'elle ne pop. Et du coup, la fixe est easy. Ouais, on a le droit de dire ça. Hein. Si, on a le droit de dire ça. Parce que c'est vrai. 11 volts, 11 flûtes. Ah! La fixe a cessé, il pop beaucoup moins souvent. Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à la fréquence. Bientôt, il y aura un nouveau chasseur. C'est vrai, Droopy. Bah, retiens ce que je viens de te dire. Prends des notes. Fais comme moi, prends des notes partout, des carnets. Oula, oulala. Empower. Empower. J'ai raté qui là? Ah bah super! L'évoque avait un boule qui chamboule, il s'est pris tout seul la fixe. Pardon, c'est pas drôle. Ah! On se fait massacrer, hein. Oui. Tiens. Venez surtout pas dans ma bulle, hein. Non, bah non, évidemment. Ah, tu es hors de ma bulle. Santé.
Bon, malgré que j'ai tout claqué sur ce pack, hein. J'ai plus de rapture, j'ai plus de bulles et j'ai plus de pénitence ultime. J'ai bien fait de la prendre, je pense. Oui. Ah, dites donc, on a un petit DJ aléatoire qui nous enchaîne quelques sons un peu soleil. Du coup, les glaces peuvent le faire, ça met pas de restrictions supplémentaires. Ouais, c'est ce que j'allais dire, sauf le war. Hein, Ah, c'est vrai ça, y'a que les war qui peuvent. J'allais dire qu'ils peuvent rien faire, c'est pas vrai non plus, mais qui ne peuvent pas interagir avec la fixe de cette semaine et de la précédente, pétard, mais... Pour se libérer de la charge mentale dans World of Warcraft, jouez War, hein, mesdames, messieurs. Why not? Songeons-y. Oh! J'ai mal. Sinon, toujours pas d'écailles d'obsidienne, hein. Non, effectivement... Pourquoi faire? Et pourquoi faire? Eh ben pour rester en vie peut-être, hein, sur du fortifié. Vous avez vu un peu, franchement, ces healers, mais tous des divas. Tous des divas! Terrible! Alors moi je suis très mauvaise en évoqueur, ok, j'oublie tout le temps de mettre la BL, tout ça, hein. En revanche, je pense qu'au niveau CDDF, je suis pas dégueu, hein. Je pense même être dans le top 3% des évoques qui appuient sur des CDDF. Je sais pas, hein, une intuition. Oui, je m'envoie des fleurs, oui. Je suis pas en période d'allergie, j'ai le droit. C'est tout. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu avant de claquer ma rapture, par contre. Heureusement qu'ils sont en train de défoncer le totem. Qui va claquer des CD? Mince personne, super. Si. Toujours pas d'écailles, hein. Non. Ça aime pas les écailles, hein, ici. C'est fou, ça, quand même, des dragonnets qui n'apprécient pas. Si. Empowered. Si. Ouh, petit bain de sanguin, c'est terrible. Aïe, j'ai mal. J'ai très mal. Ouf, par contre, le palerette a un gros kiki, mesdames, messieurs. Je suis impressionnée, ouais. Écoutez, j'équilibre, je mets sur le mage, ma foi. Et coucou, Ganjo. Le DH cette semaine, oui, c'est même un des meilleurs dans le sens où sa cage, elle est instantanée. Il a pas besoin de casque, lui. Après, il y a peut-être d'autres... classe hein, qui peuvent le faire. Je sais pas si c'est peut-être même pas le seul qui a un CC. Si, les rogues. Les rogues aussi, ils ont le cécité qui est instant. Si. J'aurais pas dû mettre ma bulle à l'open, je suis trop nulle. Toujours pas d'écailles, ni de brasier, ni de rien du tout. Oh là là là. Je sens que ça va me contrarier. Hein. Oh mince, c'est déjà le cas! Si. C'est pas grave, on a dit qu'on joue au jeu en version hardcore. Alors. Je reste calme, je souris. Reste calme. Quand tu es contrarié, fais un sourire pour que les choses aillent mieux. Voilà, c'est un message pour ton subconscient, ton inconscient, le fait de sourire. Pour atténuer la contrariété, n'est-ce pas? Bonjour, Yomilax. Ça fonctionne pas! Les décas impies ne peuvent rien faire aussi. Je suis pas sûre, Yoyo. Si, les décas, ils peuvent cesser, tu sais. Comment ça s'appelle le sort des décas là pour avoir un ami, pour pouvoir contrôler un ami? Tu sais, un peu l'équivalent de l'emprise du priest. The drugs. C'est pas en impie? À servir? Par curiosité, hein. Bientôt 3K2, hein, l'évoque Hogue. Hein. Il y a quand même eu de la barrière claquée. Je remercie le mage hein, de jouer au jeu. Jouer War. Mais t'es sérieux, t'as fait un clip de ça? Mais faut que je fasse gaffe aux bêtises que je raconte, moi, quand même. Hein. C'est fou, ça.
mon dieu! Je me fatigue, hein. Ça va, j'ai mis le contexte avant, sinon ça faisait vraiment l'insulte. Ah oui, oui, il faut le contexte. J'aurais peut-être dû me mettre une peine sup, moi. Ah non, bah non, c'est une explo qui a pas été kick. C'est bon, c'est pas ma faute. J'allais mettre une belle petite pénitence ultime en plus, je suis très déçue. Oh, c'est plus rigolo avec le contexte quand même, Walton. Eh ben voilà, un joli petit pack intact. Oula! Après, peut-être qu'il l'a pas bind, hein, les écailles et le brasier. Pas une rescue, pas une écaille, pas un brasier, c'est... En 25, hein. Je kiffe. Mais il kick pas, mon dieu! Mais c'est effrayant! Regardez-les! Ah! Bonjour, Spot. Bienvenue. Je sais même plus ce que j'ai dit, Walden. Je sais plus. Ouais, j'ai pas envie d'être condescendante et en lâchant un petit « Do you know kick ?» Or, écaille d'obsidienne. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Attends, il faut mettre l'évoque dans la blacklist, par contre. Je veux plus voir ce genre. Ah, c'est le temps qui se barre. Sans un mot. Ah non! Non! Comment il s'appelait? Choppy? Choupi! Le cauchemar des parents. Et d'Afro d'en haut. Choppy. Avec des points. Choppy. Je vais le trouver. Raider.io. Ah non. Choppy. Ah ouais, non, si je mets pas le curseur au bon endroit aussi. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas 12 000 qui vont s'appeler Choppy. C'est pas Choppy. Un évoque orgue. Ah, de Sanguino. C'est lui. C'est bien lui. Viens ici, mon petit. C'est bien toi. 3188 de Scorrio. Oui. Que personne prenne une balle perdue. Hein, ce serait profondément injuste. Choppy de Sanguino. Voilà. Blacklist. Voilà. Ça faisait longtemps que j'ai pas mis d'évoqueur haut, que je me sens mieux. Ah. Ah, c'est effrayant. Oui, Opal. Alors, pas timer des clés, on rappelle que c'est pas grave. Je sais pas, non, Elsa, comme je dis, je pense que si on regarde dans ma blacklist, y a pas beaucoup de monde de Sanguino. Hein. Ah, mais c'est pas le problème du passage à droite, Happy, c'est le problème d'être mou du kick et du CDDF. Ça me dérangeait pas, je suis censée... Enfin, ça tenait, hein. C'est juste... Enfin, faut appuyer, quoi. Ah, c'est le groupe qui allait pas happy. Une des dernières morts, j'ai vu qu'il y avait le tank et le palret qui avait du kick-up, hein. Y a aucune excuse. La compo était très très bien. Non. Oui, il est très dur en fortifié, ça on est d'accord. Mais quand même. Quand t'as du kick-up, non. Est-ce que je me ferais pas un petit AFK bio? Je fais un petit AFK bio. Et on voit ce qu'on fait par la suite. Je reviens.
Clic, clic, boum. Coucou à toi. Re-coucou, pardon, Spot. Question concernant les druides, est-ce que si l'on reprend sur le jeu avec cette classe, nous pouvons obtenir une forme d'ours différente ou c'était uniquement un légion? Je crois qu'il y a toujours moyen, cher commu. Mais je sais plus par quel moyen, par contre. Laurent, il t'avait répondu. Mais c'était peut-être pour une autre question, alors. Oui, oui, après, t'as raison, Yo-Yo. On évite de passer sur chemin de droite, je sais bien. Mais une fois que c'est lancé, tu suis le tank, de toute manière, donc... Ah, tout simplement chez le coiffeur. Merci beaucoup, Achelia et Doki Doi. Merci beaucoup pour Spot. Bang, bang, bang. Ok, bon, et bah c'était très sympa, hein, cette tentative de clé sur la prêtresse, hein, évidemment. On aime bien les jours de reset, nous. Et il y a beaucoup de d'Atal d'Azar, d'ailleurs, c'est marrant. Pétard, deux moines! Oh, j'aimerais trop, prenez-moi. Et bah voilà. Super. Je suis trop curieuse de voir ce que ça peut donner, on en croise tellement pas souvent. Bon, par contre, il y a marqué Monk dans le pseudo du Monk, ça me fait peur. Hello! On peut pas tout avoir dans la vie. Pétard, je suis jalouse de ta connexion, Droupi. Bonjour, Doki. Je n'arrive pas à avoir le skin de l'ours du World Boss. Ah, bah après, ça va être une question de chance, c'est ça? Tu l'essayes une fois par semaine? Ah, bam. J'y crois. Ils font la technique de la statue tank, ça carie bien. Ah oui, c'est vrai! Ah, c'est formidable! Tant mieux! Eh ben écoutez, on va voir. Hein. J'en ai marre. Aussi vite que Senna, je veux atteindre le Nirvana. Clic, clic! C'est quoi cette tech? Ah, Barbie qui vient de rire en la chevante qui est intéressée. En bas à gauche de l'arbre de talent moine général, tu as la statue du buffle noir, je crois. Et en fait, si tu la mets, et ben, sur les packs là de... où il y a les mastodontes, ben, les mastodontes ils vont charger cette statue. Eh ouais, très pratique. De rien! Oh, un droïde! Pétard, mais les droïdes sont sortis! Il y a eu quoi? Il y a eu un up sur vous? Qu'est-ce que... Ah, apparemment, c'est pas mal, hein! Alors, ça te plaît, Barbie? Tu t'éclates toujours sur ton H-Monk? Bonjour, Fengris! Bonjour, bonjour! Comment ça va? Le droïde feral a été up? Ok! Bien, bien, bien! Je suis sur la priest? Ok. Ouais, tu regardes les... Je regarde tes vaults aussi, certainement. Tout le monde au CAC, statut tank un peu hors du pack, et 99% des charges vont dessus. C'est vrai que c'est fort, hein, Wildan. Hein. On va dire que ça va, Fengris. Voilà. Sur un malentendu, ça charge au CAC et c'est moins bien. Ça peut être embêtant. Ça fait des chocs à pic. Qu'est-ce qu'il dit? I see green people. Le moine, il fait green. Et là, le druide, il fait monk. Got two. Yeah, amazing, isn't it? Moi, je vais dire sure, je fais ma lèche-bot. Somehow the hill appear green too on my nameplate. Et ben voilà, je suis un moine. Le druide a décidé que j'étais un moine. Ok. Très bien. Excellent. Je me demande ce qu'ils vont vouloir prendre en dernière classe. Bon, déjà une classe ABL, certainement, mais probablement. I do really see green people. Ouais, parce que je peux aussi tenter de faire de l'humour. C'est raté, mais j'aime bien.
Ah non, ça va, y en a un qui a rigolé. Ça me fait plaisir. Le druide il me fait « You're more light green ». Ah super, bah que suis-je? Et bonjour, Quacox, coucou. Je suis en train de me faire traiter de plus le green light qu'un évoqueur. Par un druide. Ça ne va plus. Est-ce que t'as eu des jolies vaults? Moi non. Enfin si, sur l'évoque, mais pas sur la DC, quoi. Super. Ah, il a dit que j'étais blanche comme une vierge le jour de son mariage. Je vous jure que c'est vrai. Maintenant qu'il est... ok, d'accord, tout va bien. Il s'est téléporté. Voilà. Teleported and now you're back as a white as a virgin on a wedding day. C'est formidable, Thérèse. Je suis ravie. Oh Dieu. Bon, en tout cas, ça me fait marrer. Ça sera encore plus drôle lorsqu'on pourra lancer la clé, mais... voilà. Allez. Allez, allez. Alors, on est à deux doigts de la demande en mariage, là. Deux semaines de suite, une chasse, ça devient compliqué. Bah, idem, quoi, Cox. Mais peut-être même plus pour moi. Ça fait longtemps que j'ai pas loot quelque chose dans mon vault. Après, on n'est pas trop mal non plus. Hein, je vais pas me plaindre. Une tête, ouais, ce serait chouette. Je sais même pas s'il faudrait que je fasse peut-être des crafts aussi, non? Depuis le temps. C'est un bail que j'en ai pas fait sur la DC. Ah, j'ai un vieux torse à te maîtrise, là. Greuillot. Ouais, il y a moyen. Faudrait que j'aille voir un petit peu ce qu'ils font les autres d'ici. Un bal masqué. Ils veulent un mage. Ben, il n'y en a pas tant que ça, des mages, hein, mes chers camarades. Oula ! Ah, Jean-Claude. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. Putain, il y a du moine partout, hein. Moi, je pense qu'on devrait prendre un troisième moine. Nova. Hello, you. Hey, coucou, Esto. As-tu des vaults plus satisfaisants que les nôtres? À moins que tu les aies peut-être pas encore vus, c'était au boulot. Me plaît. Faut que je teste cette semaine avec mon druide. J'ai pas encore joué le heal. Ah. Qu'est-ce qui se passe, Droopy? Je suis très jalouse de ta connexion. Mais je suis contente pour toi. Wombal. Wombal masqué. Deva or Aug. C'est beau la diversité. S'arrêter, ohé, ohé. C'est calme, hein. Très joli vol chaman, bijou mythique. Mais. J'aime Deka, content dans l'ensemble, ok. La souris que j'ai ne marche pas sur ce PC. Mais enfin, Droopy! Elle vient de lâcher à l'instant. Ah ouais, ce matin, ça a été compliqué. Et puis franchement, j'ai réussi à passer par je ne sais quel miracle. C'était très très bloqué aussi autour de chez moi, là. Oh! Ouh là là! Mais est-ce que je vais pouvoir aller à mon rendez-vous, moi, ce soir, en fait? J'en sais rien. D'ailleurs, on m'a dit, mais pourquoi t'as pas Waze? Parce que du coup, au moins, c'est indiqué, machin, sur Waze. Parce que moi, je suis avec Google Maps, moi. Peut-être que je devrais passer sur Waze, hein. Ah, j'ai vraiment cru que j'allais pas pouvoir rentrer, hein, aujourd'hui. Hein.
J'ai reçu hier le nouveau PC, j'ai pas été acheter une souris. Mais Droopy ! Il est 16h19, t'as le temps. Vas-y, fonce. Allez, t'as une heure. T'avais le temps de jouer à WoW, donc t'as le temps d'aller choper une souris. Ah ! Et idéalement, tu couples ça avec peut-être des petites courses que t'étais censé faire demain ou je ne sais quoi, comme ça tu optimises ton temps. Mais enfin ! Une G502, tu parles de quoi, de souris, Happy ? Pas compris. Et GG pour la Galacron 25, hein, d'ailleurs, Happy. Hein. Ah, parce que c'est collaboratif, c'est ça, Bébé Pampers ? J'ai réussi la 25, mais je vais t'avouer que j'ai lutté sur le second boss. Oh ! À 4 secondes, Wilden ! Oh, les boules ! Ah, moi, je kiffe ma souris, moi, par contre. Bon, par contre, je les bouffe, hein. C'est ma troisième, je crois, en 3 ans, même pas, j'en ai ras-le-bol, hein. Corsair, la Corsair Smictar Elite, qu'on me parle pas, que j'appuie trop fort sur cette fichue molette, hein, c'est faux. J'ai une force de mouche, donc non, j'ai juste la poisse ou j'en sais rien. Oh, un mage. Ça indique tous les bouchons, les radars, les accidents, bah ouais, c'est pour ça, je devrais peut-être passer dessus, hein. Mais à chaque fois que j'ai vu des proches... utiliser Waze, en fait j'aime pas le visuel, j'ai l'impression que c'est moins précis au niveau de la route. Non ? Vous avez pas ce sentiment vous aussi ? Visuellement j'aime moins. Ouais, que c'est moins clair, que c'est moins évident, je sais pas. Ça dynamite pour les gros trajets. Waze ? J'avais des SteelSeries avant mais j'ai switch sur une G502 sans fil, je peux plus utiliser autre chose. Pour le GPS en tant que pro 100% Google Maps. Voilà. Les deuxième et troisième boss sont vraiment tendus en heal. Ah mince, je clique pas sur les jambes. Après, j'avais un hog. Ouais, par contre, oui. J'imagine qu'on va retrouver un petit peu ça, le fait d'avoir un hog, ça... Ça nous porte un petit peu. Enfin, s'il appuie sur ses CD def. Hein ? Bonjour, Synesthesia. Get to the Moon qui nous dit pas si tu as Apple Car dans ta voiture. J'ai absolument aucun produit Apple. Je connais pas du tout cette marque. Je n'en ai jamais utilisé. Des coups de fouet pour Get to the Moon qui sort de l'ombre pour la première fois sans nous faire un coucou. Bonsoir. Je suis heureux en plus de aller aujourd'hui, mais la flemme, je suis malade. Ah ! Et bah tu mets un masque pour contaminer personne et t'y vas quand même. Et après tu sors plus. Bonsoir Synesthesia, tu vas bien ? Coucou à toi, Get to the Moon. Ouais, non, je t'avoue que je connais pas du tout les produits Apple, donc je connais pas. T'en profites pour prendre un bon truc réconfortant à manger ce soir. Voilà, vu que t'es malade et tout droupi. Je vais te trouver des solutions pour sortir. Et sinon, tu pourras pas jouer à WoW avant demain, sachant que demain, tu seras encore malade. Ok, tu le seras un peu moins, mais... Eh oui! Coucou Ramsou! 9 sur 10 Fire Mage que je croise sont nuls, c'est déprimant, pays gâché. Ah bah. Après. Attends, avec ton moine ou avec les deux? Attends, j'envoie un cœur, j'anticipe, histoire qu'ils se sentent obligés de bait avec la statue, et s'ils ne savent pas de quoi on parle, potentiellement qu'ils demandent. If you prefer that, I can. Bah oui! Ah mais avec la prise, t'es dans de la 25+, non, en plus? C'est effrayant. Les affreux, on est à la recherche d'une malvoie sombre cœur ou Ataldazar, 16 à 18 pour un KSM si vous avez, on est 2 DPS. Le message est passé, Zefzef, j'imagine que tu l'as écrit dans la commu. J'imagine que tu l'as écrit dans la commu, oui. S'il y a des personnes de la commu qui ont une malvoie, une Ataldazar ou une sombre cœur entre 16 et 18 pour un KSM, il y a 2 DPS qui sont chauds pour jouer avec vous. Donc n'hésitez pas à proposer la clé, ce serait super sympa, ça rendrait service bah, à tout le monde, hein, certainement à vous, mais à ces personnes aussi. Donc n'hésitez pas, et je rappelle que Discord est à votre disposition lorsque vous proposez une activité, et que vous avez du répondant, et que si vous êtes timide, vous pouvez répondre en MP aussi, évidemment. Et vous MP directement les uns les autres aussi dans la commu. Hein, Arrête de parler, Yasma, je vois pas mes buffs. Bonne chance, Happy.
Tu peux espionner les moines, voir s'ils ont pris la statue ou... Oui, attends. Inspecter. Talent. Il l'a pas prise. Le moine DPS. Inspecter. Il l'a pas pris non plus, tank. Ah ! Pardon. C'est quoi le KSM ? C'est 2000 de score en donjon d'Okidomi. À peu près tout timé en 15. Je rappelle que non seulement ça donne un haut fait, mais en plus ça donne une des pièces de part. Un des bonus de part. Une pièce directement que vous choisissez. Point d'exclamation commu, CO2M1 à Coax. Pardon, je peux pas le faire. Je suis sur Android, Google Auto. Empower. C'est le mage, ça m'arrange. Si, si. Ah si, il y a une statue là, mais c'est peut-être pas celle-ci. Qu'est-ce que c'est que ce gros machin là? Ce gros cube? Qu'est-ce que c'est que ce machin pixelisé? Mais je t'en prie, merci à toi, merci à vous d'en faire partie, et de la faire vivre surtout. Le but c'est que vous puissiez, qu'on puisse se rencontrer, vous ne m'êtes pas réservé pour les plans trap du mardi. C'est ce que je vous souhaite, qu'on se rencontre et que ce soit entre vous aussi. Wow, wow, wow! Reza ni second boss, Widou. J'avais pas lu ce message. Bon, ça change rien, mais... Okay. Là, c'est embêtant, par contre. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, cela dit. Enfin, si, j'imagine que ça a manqué de cesser, hein, et puis voilà. Hein. Pas de secret. To the music. Ah! Mais pourquoi il l'a remis dans le sanguin? Je veux bien être blonde, mais quand même. Ça commence bien, Barbie. C'est les équis et c'est... Qu'est-ce qu'elle dit, Kravouit? Mais enfin, les pauvres... Les boumis sont dégueux? Mais les boumis sont nos amis. Empowered. Ah, j'ai pas de fire. Je paye qui? Un droïde, tiens. Ça va changer. Oh non, 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 non. Ah! Et sinon, vous voulez vraiment pas que je vive? Je peux pas me dispel! Oh là là! Si, si. Mais qu'est-ce qu'ils me font? J'ai jamais vu ça, moi! Ah! Je meurs! Je meurs pas! Je peux pas faire plus! Je sais pas ce que je peux faire de plus, là. Si, si. Non, mais non, non, bah non, non! J'infire. Ah! Ah bah oui, bah écoutez, une banane flambée, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh. Parfaite cette chanson. Oh. Je l'ai rajoutée cette semaine, celle-ci. Ou la semaine dernière, plutôt. Si, si. C'est en mode, je reste dubitative de ce qui se passe. Oh. Oh. J'en peux plus. Attendez, on a des moines, hein. On a des moines. Il y a du ring encore qui est up. Je sais pas. Je vois une veille de la nature, je sais pas. Jamais, Klaus. Enfin si, pendant mes lives. Ah, j'ai trouvé marrant cette musique, cette... ouais.
Allez. Ah. Un leg sweep. Non, 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 pas de flambée. Je suis saoulée. 14 morts. J'y retourne vraiment. Le pire, c'est que c'est pas diplète, hein. Enfin, je sais pas, en fait. On a beau pas être anti-ra, Isma est méga longue, hein. Utiliser son ring, magnifique. J'avais mon firme qui était up. Ah! Il y a le tank qui est en train de péter un plomb en mode you are fluting trolling. Moi je sais plus quoi dire, moi. Je n'ai jamais joué avec cet affix encore, en chaman je le frog. Oui. Oui, oui, Zef. Ah, il vient de partager les kicks. Le tank en a fait 5. Le moine DPS en a fait 2. Le mage en a fait 1. Sorry for your K. T-hall. Oulala! Je fuis. Bah écoutez, je trouve qu'il y a des vibes un peu négatives et flippantes dans Atal d'Azhar aujourd'hui. Bonjour à toi, Ace Smith, qui sort de l'ombre pour la première fois. Ama, crois-moi, je souhaite. Voilà. Je souhaite de la culotte. C'est dégueu. J'en peux plus. Suivant! Exactement, Valden. Très bon réflexe. C'est vrai que j'avais jamais vu autant de flammes de l'enfer sous mes pieds, hein. Je vais pleurer sur son épaule et m'en aller tel un prince. Il est pas content, là, le tank, mais il y a de quoi. Il y a de quoi, effectivement. C'est compliqué. Waouh. Ah, c'est du trolling, par contre, quand même, hein. Non. C'était un boomy, je crois que j'ai même pas vu de bim. Honnêtement, je crois que j'ai même pas vu de bin. Ça craint. La maison vous propose une affreuse flambée. Oh oui. Spécialisation banane dans Diego. Je vous jure, et la musique qui passait trop bien là. Je suis abasourdi. Ah, j'avais pas pensé à ces circonstances-là lorsque j'ai ajouté cette musique à la playlist, mais c'est intéressant comme concept. J'aime beaucoup. Coucou Kakerosine. Bah oui, mais ça va, bah écoute, ça va, on est en vie IRL, donc c'est déjà pas mal à défaut de l'être in-game. Et toi, comment ça va? Mon dieu. Je suis en train de réaliser que c'est full dipléto aujourd'hui, un mercrequette hyper chouette. Oui, 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 oui. Même avec les vocaux, on a diplète, hein. Ouais. Avec des stats de kick pareil sans ces séries. Bah c'est ça qui me glace en fait, je me dis waouh, on a des classes avec plein de CC. On a le druide, on a deux moines. Et c'est un jour de vol satisfaisant pour toi, Kakerosine. Y a pas de tank, si je tag là-dedans, à tous les coups, ça met 3 ans. Ah. Ah. Y a pas de clé. Eh ben écoutez, on va agrandir notre axe de recherche, comme on dit. Atal d'Azhar, c'est fait. Murozon, c'est fait. Trône démarré. Ah, la flore. Oh. Elle m'éclate cette chanson. Là, il n'y a pas de BL, donc je vais pas tag dedans. Là, il y a une BL et un Hunt. Flore éternelle, ai-je vraiment envie d'aller là-bas? Non. On va essayer de tag là où il y a du tank. Là, il y a du Bérez. Il n'y a pas encore de BL. Je peux toujours tenter. Flore éternelle, ils ont pris un druide île.
Là, il y a du Bérez, mais il n'y a pas de BL, donc je tag pas dedans. Hey, coucou chez Lights. Non. Mercredi dernier, exceptionnellement, j'ai joué ma clé à mercredi. On a très bien vu ce qui s'est passé. Elle a été deplate immédiatement. Dès le premier pack, je vous invite à retrouver ma VOD sur YouTube. Hein, je rappelle qu'il y a les chapitres également pour vous y retrouver dans ses aventures et mes aventures. Et si je ne m'abuse, c'était une magnifique petite manoir Malvois la semaine dernière et elle a duré quelques instants. M'a sacrifié. Exsangue, hein, tout comme moi. Donc non. Non. Et non. Non, malheureusement, S-Suite, j'ai pas... J'ai pris les... Je vais y arriver. J'ai rien eu dans le vol sur la DC. Donc j'ai pris pour obtenir une chasse, que je n'ai toujours pas. Et j'ai eu par contre une ceinture pas mal sur l'Evoque Hog. Voilà. Ça console un petit peu. Les breloques, merci. Je ne trouve plus mes mots. C'était le mage qui bougeait pas sur les sorcières. Oui, le mage qui est mort avec... Je ne sais plus combien de stacks parce qu'il sautait pas sur... Il bougeait pas, ouais, sur les sorcières, et voilà. Donc, en 25-26, la semaine dernière, c'était très très chouette. Ah mais oui, t'étais avec moi, Valden. Tu m'avais proposé ta clé, je crois, et ensuite, je vous avais proposé la mienne parce qu'on était peut-être avec Astro, ou je sais plus. Il y avait quelqu'un d'autre de la commu, je crois, avec nous. Donc non, j'ai pas envie de jouer ma BRH 26 maintenant. Non. Y a pas de BL. Eh, ça y est, hein, c'est le retour des SP, par contre. On est d'accord, la commu. Mais quelle hypocrisie crasse. Les pauvres SP, nos cousins, là, ils se sont fait bencher pendant des semaines. Et là, oh bah comme par hasard. C'est étrange. On en voit de nouveau dans les clés. Mm-hmm. Ah, voilà, c'était avec Astro et toi. J'espère avoir quelque chose. Tu joues quoi, Sweat? Tu as un main? Tu as des rerolls? Mais oui, ils ont un Bérez et ils avaient une BL, eux. Ah. Oh. Hey. Oh mon dieu. Flore éternelle, oui. Je suis ravie. Hello. J'en peux plus de cette clé. Oh. Toutes les classes, c'est vrai. Ah bah dis donc. Eh. N'empêche, toujours plus de chances d'avoir des jolis vaults. Ils sont où? Valdraken, voie temporelle, confluence, machin, vas-y, je prends le TP. Je trust, moi, je suis sûre. Hey, elle va être timée. 4 chests. J'annonce, je fais une prédiction avec moi-même. J'en suis sûre. C'est où déjà Flore éternelle, par contre? Non, c'est pas Shadowlands, c'est pas BFA. C'est pas Kata. Légion? Non. Pas Légion. Forêt sombre cœur, non. C'est pas Mop. Ah! Merci beaucoup, Borny. Meilleur vœu. Eh oui, les derniers jours hein, pour se souhaiter une belle année. Écoute, moi, elle commence pas super, mais j'ai envie de te dire, on fait avec. Voilà. Meilleur vœu, en tout cas. Santé, prospérité, évidemment. T'as plus qu'à prier que le druide tank prenne le dispel poison, sinon tu vas t'amuser. Oui. Tu dis vrai. D'ailleurs, Flore éternelle, je pourrais virer mon dispel maladie, je crois. Hein. Merci de me le faire remarquer. Ouais, dispel poison, purge offensive, second boss, c'est bon, pas besoin du mass dispel, parfait. Du coup, j'enlève ça. On est combien à pouvoir faire la fixe? Est-ce que je prends l'entrave des morts vivants ou est-ce que je me mets un point ici? Ça me fait suer! Hmm. Ah, quoique si, on a un DH, vas-y, hein, je prends pas l'entrave, moi. Non. Je passe beaucoup trop de temps, mon goût, dans cette clé, Borny. Mon dieu, j'en peux plus. C'est marrant, je vois rarement la fin. C'est étrange. Faut que je monte le reste. Merci, Krawit. J'ai repris vos, là, après quelques mois. Les seuls que j'ai, 70, c'est Evoque et Drood. Après, c'est déjà bien. Hein. Honnêtement, moi, tu sais, c'est Dragonflight, c'est la première extension où j'ai autant de persos 70. Toujours ton Reda, mais je l'aurai un jour, je l'aurai. Avouez, vous ne vous en lassez pas. J'ai beaucoup
Je rêve, ils sont tous dedans. Coucou Caracaos. J'aime bien prononcer ton pseudo, je l'aime bien. J'aime bien cette musique. Non, je prendrai pas l'entrée des morts vivants, j'ai décidé de bouder et de laisser les autres faire aussi leur part de travail, mesdames, messieurs. Voilà. Non, je joue plus avec et je me demande si c'est pas une grosse boulette. Parce que tu sais, je joue avec ça. Sauf que je le trouve pas ouf, le dévoreur d'essence. Mais c'est censé être altruiste, tu vois. Après, on peut pas trop s'y fier, là c'est 3% sur une clé qui a été avortée, mais... Moi je sais que j'avoue que ça me coûte un peu quand même de me priver de ça. Surtout en Tira. Pourquoi l'entrave et pas le SEM? Je joue avec l'emprise, Nexo. Pourquoi? Parce que le fait de jouer avec l'emprise plutôt que le CM, justement, ça te permet d'avoir l'espèce d'élémentaire en allié. Donc c'est mieux que de le contrôler et de le rendre impuissant. En revanche, vu que je joue en pick-up, j'ai tendance à jouer aussi avec l'entrave au cas où je me rate sur l'emprise ou au cas où bah, les gens du groupe ne fassent pas sérieusement la fixe. Au cas où, tu vois. Et ça me fait suer parce que je suis pas censé jouer au cas où, machin. Mais il y a cette possibilité, voilà, il faut le savoir. Empower. Il est où le berserker? Il est là. Dans 5. Ah mince, j'ai pas de fire, c'est vrai. Je suis pas dispel poison. Il est full life le berserker. C'est effrayant. Que quelqu'un fasse quelque chose! Raté. Je peux savoir comment quel enchant maître j'aime, quel stat je dois avoir et tout le bordel. Je t'invite à faire point d'exclamation GDoc dans le chat et suite. En haut à droite de ce document, tu auras différents liens. Moi, je te recommande en particulier Murloc.io, que je trouve... très accessible, très bien fait, bien qu'il soit en anglais. Mais je suis loin d'être bilingue et j'arrive à m'y retrouver, donc j'imagine que toi aussi. Voilà, point d'exclamation GDoc dans le chat. Murloc.io, en haut à droite. Il y a d'autres possibilités, d'autres liens, hein, bien sûr, qui sont présentés dans le GDoc. Moi, c'est celui que je te préconise. Le plus simple, le plus accessible, le plus évident, que j'aime bien. Et auquel je me réfère quasi... très régulièrement. J'ai mal, je souffre. Oh là là! Oh là là! Ah, il m'a fait un pré-trap! Admirez, mesdames, messieurs, la beauté de ce Hunter qui m'a fait un pré-trap. Ça, c'est beau, ça. Ça veut dire qu'avant même que l'AD ne soit apparu, il avait mis un piège dessous. Et ça, ça change vraiment les choses. Merci à celles et ceux qui font ça. J'ai mal, je suis pas dispel. Et j'aime pas les gens qui dispellent pas. Vous me stressez. Ah mais je peux pas, j'ai pas le temps, moi je suis un tank, je suis là pour tanker, en plus c'est une semaine compliquée, machin, de fortifier avec du sanguin, gnignin. C'est pas mon problème. Moi aussi je souffre. Pétard, je vais crever, hein. Si quelqu'un me dit quelque chose... Coucou Trolia. GG ton Reda. C'était pas un compliment, c'était factuel, Uncle J. Mais je vais crever encore! Je suis vraiment obligée de claquer mon CD là-dessus. Il joue pas avec le dispel poison, c'est pas possible. Il joue pas avec. Attends. Inspecter. Non, pas suivre! Inspecter. Il joue pas avec. No poison dispel in fortified. Voilà. Factuel, factuel. Empower. C'est pas un jugement, j'accuse personne. C'est factuel. Voilà. Moi je veux bien, mais je...
qu'est-ce que je peux faire ? J'ai beaucoup de gris-gris, vous aimez ? Empowered. T'étais chaud pour venir ? C'est quoi déjà le CC du Drew de Balance ? C'est-à-dire par rapport à la fixe et Sweet ? Et j'espère que tu vas bien trop, Lia, merci beaucoup d'être là. Là, ça me rend malade, hein. 6 morts pour ça, c'est... J'ai eu un chaman, il était allemand, il ne comprenait pas un mot en anglais, c'était pas facile pour lui demander de dispatcher. Ah ouais, c'est vrai, bah la barrière de la langue, c'est jamais évident. Par contre, je peux passer là, sans poule ? Oui. C'est l'hibernation ? Merci la commu. Oh ! Non, 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 non ! Je peux pas, je peux pas ! Mon CDDF, mon autre CDDF, j'ai rien d'autre, hein, je... Oh, je récupère une peine sup, maintenant. J'ai pas overlap, hein, j'ai tout claqué, tout ce que je pouvais au fur et à mesure, vraiment, je... Je vois pas comment je peux mieux jouer. je sais pas. Je sais plus. J'ai envie de mourir. Je meurs. Je suis pas morte. C'est bien. 8 morts. Qu'est-ce qu'il fout là-bas, lui, là ? Oh là là, il y a un soigneur qui arrive. Oh là là. Ça a été kick. Dieu merci. Ah ! J'ai perdu ma souris ! Elle est où ? Là ! Je voyais plus ma souris. De toute façon, je pouvais m'envoyer quoi ? Juste une dark pénitence ? 3, 2, 1. Nostalgie de 7 ans. Ils sont où ? Coucou ! Franchement, je vis ma meilleure après-midi de clé, hein, c'est... Très très chouette. J'aime être un cobaye torturé et martyrisé. Ah bah c'est justifié quand même, Kiki Rosine là, hein. Bon. Pour une fois qu'on a un hunt qui tient la route, faut qu'on ait des catastrophes à côté. Bon. Oh, GG Naëlys. Ah, Malfoy. Drago Malfoy. Malvois en fortifié. Il y a beaucoup de dispels à faire avant le boss arbre. C'est pas évident. Beaucoup de dispels et où ? Beaucoup de CC. Oh, faut pas que je le CC ! Alors, petit détail. Là, si j'avais fait mon emprise dessus, il aurait été familier. Il aurait été familier. Et du coup, il aurait été... J'aurais mis en combat l'arbre. Voilà, ce que je n'ai absolument pas fait. J'ai bien joué. J'ai très bien fait. C'est pas moi, je sais pas comment l'arbre est venu. Parce que du coup, si je le contrôle, je rends la cible familière, amicale avec nous. Et du coup, ça aurait poule l'arbre. Méfiez-vous, parce que dans certains donjons, ça peut arriver, ça. Bon, J'ai pas envie, là, non ? Ils y retournent, franchement ? J'ai beaucoup d'objets. Ah ouais, hier, j'ai carbonisé, Kikérosine. Une banane flambée. Ah bah quoique, c'était RP. Je tentais de faire la flore en 23, c'était compliqué. Un body pool malheureux. Empowered. Mince. On en a eu un aussi avec l'arbre. 3, 2, un peu de poésie dans ce monde de brut. Oh. Bon, là je crois que... C'est la fin, hein. So, sorry for your key, T-Hall. Ah non. Tant pis, là je passe pour la méchante, mais faut arrêter de troller là. Hein. Ah, nettoyer nos cadavres, martyriser.
Le tilleul, ça me bute, c'est vrai, mais tu préfères quoi? Au moins, je remercie, hein. Voilà. Et désolé pour la clé, tu vois. Un peu, ouais, ton raid. Non, moi, je l'interprète plus en mode, ben voilà, merci à vous et désolé, allez, salut, quoi. Tu vois. Je vois pas de qui tu parles, Walshune. À tirer la chasse quand t'as fini de parler. Laisse des traces. L'effet du logis, c'est parti. Alors, 25, on a dit. Ben voilà, Flore éternelle. Ça tombe bien, je suis juste devant. Ah oui, chante au ciel, bien sûr. Oh là là, ça nous empêchera pas de dormir. Balin. Très bonne ref. Arrêtez, Edja, avec les Russes, avec Sanguino, avec machin, mais que nenni, je vous dis, moi, je sais défaire que j'ai en majorité dans ma, dans mes blacklists, moi. Et même ça, ça veut rien dire, puisqu'on rappelle que la bêtise, hein, c'est pas une question de nationalité, ok? De nettoyer. Alors, nous avons un War, nous avons un DH. De nettoyer. Suivant. Je vais peu de feu. Je vais aller racheter des prépotes également. Non, j'ai pas encore acheté les potions dont on m'a parlé hier. Pourquoi j'ai le tank qui a écrit le toucan has arrived? Ah ok, c'est le nom du déca, le toucan. Quelle est encore ce trap dans lequel je vais me retrouver, cher commu? Zébardi. Excellent. Eh ben écoutez, je suis très curieuse, c'est quoi, c'est Natal Lazare? Il va nous manquer quoi, une BL? Nanana. C'est censé être Natal Lazare? Ben j'ai pas racheté de... Deux potions. Excusez-moi. Je ne sais plus écrire. Mince, on est full. Flûte! Ah, bon après, je manquais pas spécialement de compos non plus, mais... C'est fou, ça file hein, les compos quand même. Ça file, ça file. Rune. Non, j'ai toujours pas la réputation pour, je sais. Sacre. Et normalement, les potions, c'est bon. Hein. Quoique. Ah, mais c'est un... Un Hunt Eferd, je crois. Isondre.
suis tombée sur un FR tout à l'heure sacrément toxique qui a été tellement insultant. Ah ouais? Laisse-moi deviner, c'était un hunt ou... Non, faut arrêter, c'est pas gentil, pardon, c'était gratuit. Pardon. C'est un évoque Hog alors? Ou un mage? Y'a que trois solutions de toute manière, chante au ciel. Non, c'était un prêtre. Ah mince, flûte. Désolée que t'aies fait ce type de rencontre en tout cas. Lunt, ils sont aigris de passer leur vie mort au sol. Ah! C'était un déca! Ah bah c'était un frustré alors, chante au ciel. Je dis ça pour une fois qu'il y a un déca dans une de mes clés. Run away. Ah, désolé pour toi par contre. Oui, franchement, je suis sûre que ça aurait dû être un prêtre disco, Inks. Évidemment. Ce sont les plus râleurs et les plus aigris. C'est sûr. Ah mais s'ils sont carpets, c'est à cause des îles, ton Reda. C'est évident. Par contre, là, je fais la maline, mais je vais beaucoup moins la faire dans quelques instants quand je vais devoir me taper le bait du mastodonte et que je vais crever. Oui. Nettoie juste ça avec notre langue. Mais c'est pas très propre, tout ça, Wilden. Ça suffit. Attendez. Oula, faut encore que je rechange mes... Oh non, c'est pas bon, non. Calmez-vous. Oulala. Ça c'est bon, j'ai pas besoin du masque dispel, hein, Taldazar. Attends, Taldazar. Dispel maladie, c'est bon. Dispel maladie, je l'ai. J'ai pas mangé, c'est pas bon, bœuf fendu. Coucou monsieur le spectre. Bon courage à nous, Naëlys. Mais t'as bien raison, chante au ciel. Et si jamais je suis à ta blacklist qui est pleine, dans mon GDOC, tu as accès à un magnifique add-on supplémentaire pour la rallonger. Je te le souhaite pas. Comment tu vas, monsieur le spectre? Et l'Empire Troll renaîtra de ses cendres. Oula, mais ça va être ma dernière clé, moi. J'ai mon rendez-vous à 18h. Oulala, là là, et je vais peut-être pas y aller avec des couettes aussi, accessoirement. Je dirais que j'ai les cheveux crades, si en plus j'y vais avec des couettes, bonjour. Ce serait bizarre, quand même. Bon, faut qu'on time cette clé, là. Oh! Flûte! Ma flûte! À moins que le hunt le fasse, hein. Non, il veut pas. Je crois qu'il veut pas, hein. Si, si. S'il l'a fait, c'est trop bien. Petit sigil, là. Oh non! Comment ça, je me suis pris une mêlée en dernier moment? J'ai cru qu'il était mort, moi, le mastodonte. Quelle bille! Parce qu'elle est très dure, celle-là, elle souhaite, et vraiment, c'est flippant, hein. Coucou, le geek player! GG, happy. Oula! Oulala! Oh là là. Targeted. Si. Oh, non. Pourquoi ce pack? Pourquoi? Oh, il y a déjà assez du suivant. J'ai plus de peine sub, j'ai plus de bulles. Comment vous voulez que je tienne bon sur le truc du colosse si je peux pas... Si je peux pas caster quelque chose, en fait. Y'a un mastodonte en plus, hein. Vas-y, je peux pas faire les baits, hein, c'est pas possible. Ça, je fais. Pff, ah, c'est un carnage, hein. Pétard! Il avait pas BL! Oh! Ah ouais, la BL, alors que là, tout le monde est en train de crever les uns après les autres, c'est embêtant. Aïe. C'est un plaisir. 700k. Ah ouais. Là, le pauvre Hunt, il est en train d'en prendre pour son grade. Hein. Il se fait légèrement trash par le DK. Malheureusement, c'est un peu justifié. Si.
Oh, c'est pas gentil, en mode don't invite Hunter, c'est tout. Ah, c'est chaud. Salami, t'as le droit de le penser, mais tu le dis pas. C'est blessant, c'est pas cool. C'est pas cool. Parce que moi, j'aime pas les Evokog, mais c'est pas pour autant que j'en inviterai pas, quoi. S'il y en a un qui, sur papier, voilà, à l'XP, machin, bah tu le prends, en fait. Voilà. Ah, voilà, c'est ça, tu le dis pas, c'est blessant. Tu... Wouah! Wouah! Claque tes CD, le Han, ton Didju! T'as plein! Tabasse! Et bah, t'auras plus ma pays! Oui! Tu l'auras plus! Chasseur, c'est utile en multi, c'est très bien, Droopy, c'est juste qu'on les aime pas! Je le rappelle pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne que Droopy. Vient d'installer World of Warcraft et va y jouer pour la première fois de sa vie. Hésiter avec Karen, du coup, donc voilà. Elle est formidable. Je vous l'avais dit, pour moi, c'est la pire semaine, Velden. Je la déteste, je le savais. Entre le sanguin, Staffix de Nuke et... les humains, quoi. Mais quelle idée, aussi. Je veux, voilà, tout plaquer pour me réincarner en toucan. I want to be a toucan. Please. On nous aime pas car c'est fragile, si seulement il y avait que ça, Happy. Non mais on peut aussi le jouer là-bas, non? Ok. Ok. Parce que je sais pas, le DK il s'appelle le toucan, ça me... Je trouve ça rigolo, j'aime bien. Et pourquoi pas un toucan d'abord? Loss. Vais-je pouvoir me planquer de manière satisfaisante? Oui. Prépote. Et allez, c'est sûr. Vous avez dit poisse, hein. 10 secondes encore de fixate. Nous allons courir, mesdames, messieurs. Je cours. Ça va, ils auront un copain. Ah, même pas, il s'est arrêté juste avant, ok. Je tiens à préciser que malgré tous ces déboires, notre collègue, notre camarade Hunter est premier au Kiki. Bait. Oui. Et allez. Je me demande si je fais ma pénitence ultime, je peux me faire croquer les fesses ou pas. Mais je pense que c'est pas une bonne idée d'essayer ça maintenant. L'intuition comme ça. C'est bon. Même que Félix, il a un gros kiki. Je la ref. Mais c'était l'année dernière, ça, Keke Rosine. Il faut attendre décembre de l'année prochaine, s'il te plaît. Ça suffit. Pas la classe qu'on aime pas, c'est l'aspect BM, ce qui constitue 90% des hunters, c'est vrai. Il y a beaucoup moins de discrimination vers les hunters survie. Le problème c'est que les hunters survie, la plupart des gens partent du principe qu'ils ont un petit kiki, donc ils en veulent pas non plus. C'est terrible. Par contre, il met des jolies trappes. Moi, Whiskey Kim me fait plaisir. Ah, j'allais dire, au moment où je dis ça, je vois pas de trappe. Ah si, il a mis le trappe après la cage. Franchement, heureusement qu'il y a WoW qui existe, ouais, pour faire rire un peu, échanger les idées. Vraiment, c'est... Vaut mieux le prendre comme ça, hein. Bait. Allez, à moi. Ah non, feindre la mort sur Whiskey. Oh, pardon, faut que j'arrête de dire Whiskey. Whiskey, c'est quelqu'un qui était dans le chat tout à l'heure, qui est toujours là aussi, qui doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là, à parler comme ça de moi depuis tout à l'heure, alors qu'en fait, c'est d'un hunt qu'elle parle, et que c'est même pas moi, c'est Whiskey Coke. Je viens de réaliser ce que ça voulait dire, son... Je me casse. On vient de se faire fire. Il y a un kick à faire. Je...
Ah non, pardon, deux. Empower. Whisky Coca. Je joue avec quelqu'un qui s'appelle Whisky Coca, qui est un hunt, mesdames, messieurs. Mais qui boit des Whisky Coca, en fait? Toi, à la foire de ton village, il y a 20 ans. Oui. Mais ça suffit, on fait plus ça depuis, c'est non? Coucou, Etel. Je craque, Etel, je craque. Ah, je sais que t'as passé une bonne journée, coucou à toi. Ah, voilà, les anciens, exactement. Ah, mais j'en fais partie, hein. Bon, sauf que moi, j'ai essayé d'en boire qu'une fois, hein. Rien que l'odeur, je fronçais du nez comme ça, j'étais... Et puis tout le monde sait que de toute manière, du bon whisky, ça se boit pas avec du coca, en fait. Si, si. Ah non. Nine. C'est comme du bon rhum, quoi. Si, si. Voilà. Et c'est pour ça que je bois plus ni l'un ni l'autre, parce que moi, je suis une chochotte, c'est beaucoup trop fort pour moi. Si, si. Faut tout faire. Tout. Droopy, si, si. Joue soigneur. Tu t'ennuieras pas. Viens découvrir World of Warcraft. Donne-nous tes impressions sur ce rôle. Toi qui es pur, innocent, qui découvre. Joue soigneur, si, c'est si. Vachement bien. T'en auras pour ton argent, tu t'ennuieras jamais. Crois-moi. Vodka ou jus de patate, c'est très bon, jus de patate. Ah oui, c'est vrai. C'était quoi, vodka pomme caramel? Ah, vodka pomme caramel. Eh, moi je buvais du passoa, ok? Je suis très 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 fatiguée. Au secours. Fallait pas le dire ça, Old Geek Player. Je voulais tenter de la manipulation pour un test psychologique et tout. C'est raté. Ah mince, Whiskiki était là. Coucou, re-coucou Whiskiki. Un toucan et un whisky coca, exactement, exactement. C'est la vie que j'ai décidé de mener. C'est faux, j'ai pas eu le choix, je me suis laissé embarquer. Petit fear, super, ça fear tous ceux que je voulais pas. Si, si. C'est parfait. Oh là là. Oh là là. Meurs pas, Whisky Key. Pardon, Whisky Coke. Empower. Tiens. Si, si. Eh ouais, vous pensiez que la semaine dernière était la pire? Que nenni. Je le savais, hein. Dès que j'ai su les affiches, j'étais là, oh mon dieu, j'ai tellement pas hâte. La semaine dernière, c'était du gâteau. Du gâteau au citron avec des pépites de caramel. Oh que oui. Si, si. Je dis ça parce que j'adore ces gâteaux. Elle est pas, elle était pas horrible hein, la semaine dernière, juste vraiment relou lorsqu'il y avait des dispels qu'on était censé conserver et faire en tant que soigneur et que du coup les DPS nous assistaient pas sur ceux de la fixe. Ah, c'était pas cool, ouais, j'ai rien eu sur la prêtresse. Etek. Et toi? Ah bah oui, j'ai l'impression, hein, j'ai l'impression que j'ai... Oh, mais grave! Attends, je suis en train de me dire, il nous a fait le pack de l'enfer! Et on se tape tous ces packs horribles de ce côté aussi, en fait. Super! Ah, je suis désolée pour toi, Etek, même avec ton reroll, même avec ton SP. Y'a que le Forti cette semaine, le reste, c'est bidon, les affixes. Je peux t'assurer que si les DPS ils m'assistent pas sur le CC de là, de... c'est embêtant, hein. T'as un casse de là de qui passe sur un boss en tira, enfin sur un boss tout court. C'est... T'es dans la mouise, hein, Whisky Key, vous êtes trop mignon, vous vous rendez pas compte, hein. Coucou Acro. Il est trop bon ce son, ça lasse pas, hein. Je joue prêtre discipline, Acro. Une des classes les plus maso de ce jeu. Et c'est le perso dont je te parlais, avec lequel j'ai eu le coup de foudre dès le premier jour, dès que j'ai découvert World of Warcraft. J'ai regardé un peu tous les persos. J'ai vu le prêtre d'ici, j'ai fait « Oh, des boucliers, ça brille, c'est joli !» 14 ans plus tard, c'est le perso que je joue toujours le plus. Empowered.
Même si le jeu a beaucoup changé hein, depuis, mais... Si, si. Ben, ouais, wow. Achevez-le ! Je meurs, j'ai mal, au secours. Si, si. Ah ! Si, si. Ouf, mince ! J'ai claqué ma peine sup, il a oublié son wall ! Petit overlap, terrible. Prêt de disco pour les intimes, c'est vrai, Vaeline ? Si, si. J'ai... Bah, alors, vieux disco, oui et non, elle dit, parce que j'aimais beaucoup... J'aimais beaucoup, beaucoup le gameplay, moi, du DC à Shadowland. Bon, c'est un jus d'orange. Ça, c'est vrai, ça. Ou une pie. Une impie ? Quoi ? Elle veut reroll des cas ? Non, une pie. Une pie, pour les trucs qui brillent, tout ça, tout ça. Burns ass breakdown. C'est l'explosion qui l'a tué, je crois. Ah, le petit sanguin. Le temps qui link le pack alors qu'il y a l'autre qui allait mettre du sanguin sous des casters, mesdames, messieurs. C'est magnifique, c'est magnifique. Ah, c'est de toute beauté. C'est un début de semaine comme on les aime, voilà, qui donne envie de jouer. Ah ouais, ouais, ouais. Meilleure semaine pour faire des rerolls, pour débuter WoW et faire du pexing. Hein, je... Ouais, 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 ouais. Vraiment. Balzans breakdown. Adieu, monde cruel. Petite explosion de venin, hein, ça fait mal quand même. Hein. Ça fait mal d'être avec des mots du kick. J'adorais la mop, je me souviens plus. Pas de chance sur les coffres aussi, mais je suis partie vite fait en clé push cet après-midi. J'avoue que les affixes, ça allait, j'ai failli me jeter dans le vide. Les chamis ne voulaient pas les faire, j'étais fou. Ah! Meilleure semaine pour relancer BGA, tu lis dans mes pensées. Et Walshune, je vais voir ce qu'il est possible de faire, évidemment, mais... Ah, j'ai mal, je souffre. J'ai envie de jouer à Terraforming Mars aussi. Coucou Yakuyaki. Ah ouais, mais là j'ai un peu du mal, là. Hein. J'aurais peut-être une peine sup, alors qu'il me restait plus que ça. Ah, oh, le tank aussi est mort, tout le monde est mort. 24 morts. Oh. Heureusement que DJ Aléatoire s'est dit, allez, faut qu'on mette des petits sons old school, spécial boomer. Un boomer, quand je dis boomer, là, c'est plutôt des boomers, jeunes trentenaires fringants ou quadra. Si vous dites cinquantenaire, vous êtes viré. Ou quarantenaire, c'est non. Arrêtez! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça? Une énorme mouche! Mais d'où elle sort? J'ai une énorme bête! Eh, par contre, il y a eu un souci avec Killbot là. Hein. J'ai un souci avec Killbot. Pourquoi il me le met en route? Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que cette mouche mutante? Un éléphant! Ah, je sais qu'il fait 20 degrés, mais... Interrupt. Watch your step. Watch your step. Ah, je... mais elle est sur ma... Elle bouge pas. Je l'ai vue débarquer de nulle part. Interrupt. On a toute la vie, toute la nuit. Ok, ça passe. Oh, un éléphant. Mais enfin. Ah, mais ça devrait être ce temps de fou, là. Je sais que je suis le seul être vivant à la ronde, mais t'es pas obligé de me tenir compagnie, hein. J'ai d'affreuses personnes, ça va, ça me suffit, merci. Pas trop bien avec tes pas. Interrupt. Hein.
Ça manque de diams. Oh, elle passe de temps en temps. Après, c'est lassant, hein. Allez, allez. Ah. Oh non, il m'a cessé celui. Ah. J'ai empris celui qui l'attrape. Après, faut savoir, voilà, s'ils font pas de trappe, tu dis qu'ils sont nuls. Pas faux. Insupportable. Ah, tant pis, je claque l'ombre ciel. Hein. 9 minutes, c'est mort là, non? Timer, le timer, ça pue là, non? On va. 60%? Bon courage pour le boulot, Furious, merci. Je laisse tomber le druide, du coup, qui a une classe à me conseiller. Tu jouais le druide sous quel rôle? C'était ton premier perso, ton seul perso, Sweet? Je me souviens plus. Empower. Qu'est-ce que c'est que cet éléphant? Ah bah elle est bien joufflue, hein, la mouche, là. Allez, après c'est pas que je m'en fous, je me casse. Je suis en train de me demander si j'ai le temps de faire une clé. C'est quoi la moyenne de durée d'une clé? Ouais, non, mais en fait, il faudrait que je sois prise instantanément dans une clé. Oh, fais suer, hein. Flûte. Vas-y, on va faire du BGA, du coup, on va se faire du Seven Wonders avant que je me casse. Voilà, très bien, ça. So. Ah non, mais c'est mort, je fais pas de la weekly, hein. Timer is over. Ah, d'accord, c'est pas méchant de se barrer. 25 morts, je suis pas là pour faire de la weekly 25 en fait. Attends, j'ai pas envie qu'il meure. Ah bah il s'est barré. Sont barrés avant moi. Et moi je reviens, moi j'ai des scrupules, je vais quand même finir le pack avec eux et tout. Oh, c'est pénible. Oh, c'est pénible. Ah, la fameuse weekly 25, voilà, faut... Oh, adieu. Ça va, j'ai pas pull le pack. Y'a personne qui a rien dit, hein. Tout le monde s'est barré. Et sinon, je peux sortir de ce donjon? Bon. Je suis poursuivi par un ours. Donc, Isuit qui dit tu veux DPS tranquille, tu as de l'XP dans le jeu. Je joue depuis Kata, j'ai fait tellement de persos que je me débrouille comme je peux. Bah, est-ce qu'il y en a un que t'as jamais testé alors, Isuit? Mais elle me nargue, hein. Une énorme mouche. Ouais. On se fait un petit Seven Wonders vite fait. J'ai pas le temps de refaire une clé. Ça me saoule. Je peux même pas reprendre ma peau de feu. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est pas un drôme en forme de mouche, qui sait? Tu crois? Ah non, elle se frotte les pattes comme ça. T'es un drone? Les gens ne me groupent pas en 26 alors que j'ai tamé la clé en tira et en forti en 25. Ils sont frileux, les gens, le mercredi. Tu joues elfe? Pourquoi tu fufus pas pour TP? Parce que les elfes de sang, eh ben, ce sont les plus belles. Voilà, avec les Draenei d'abord. Flûte! Oh, mais Whiskiki, tu m'as jamais vu jouer au Seven Wonders sur BGA? Eh ben voilà, c'est de la faute de Whiskiki. On va faire une partie de Seven Wonders. Bon, ça va, pour 10 minutes, je peux rester en catégorie WoW. J'imagine que peut-être certains d'entre vous sont en train de faire le drop. Habituellement, je change de catégorie, mais là, on va juste en faire une. Tu vas voir, je vais te montrer du coup, Whiskiki. Ha. Va-t'en.
Voilà, je vais perdre Seven Wonders parce que je me fais agresser par une mouche mutante. Alors là, c'est malheureusement, il n'y a pas avec les extensions, c'est que la version de base. Et c'est hyper rapide, c'est génial. Enfin, tu vas voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis désolée, on va se faire un petit intermède. On va arrêter, hein, laisser de côté WoW pour aujourd'hui. J'ai un rendez-vous dans pas longtemps. On va se prendre 10 minutes pour se faire une petite partie de Seven Wonders. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Seven Wonders, c'est un jeu de société. C'est un jeu de société qui a été créé par Antoine Bozac, qui est un compatriote de ma région. Oui, je suis très fière de cela, figurez-vous. Vive la Drôme et les ravioles. Et le Seven Wonders, c'était un des jeux les plus primés au monde, jeux de société les plus primés au monde. Et on peut y jouer en ligne sur Board Game Arena, le site 6 juin, sur lequel vous pouvez m'ajouter, sur lequel vous pouvez vous ajouter les uns les autres de la commu, puisqu'il y a un petit canal sur Discord dédié, hein, vous pouvez présenter votre pseudo, etc. Vous retrouvez les uns les autres. Hop, alors, Board Game Arena. Je m'y connecte de ce pas. Il y a plein de jeux de société que vous pouvez tester sur ce site, gracieusement, gratuitement. Il y a des tutos pour apprendre à y jouer, pour celles et ceux qui ne les connaissent pas. Et en l'occurrence, le Seven Wonders est très 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 bien fait. Comment je me connecte? English, non. Ça se voit que ça fait longtemps que je ne m'y suis pas connectée. Hein. Oh! C'est où le French? But alors, you are French? Oui. Ok, alors. C'est comme ça? Ah bah super. Pourquoi je ne peux plus capturer? Game Capture, BGA. Ah, voilà. C'est bon. On a réussi. Mais je t'en prie, Droupi, bonne découverte. Ok. Donc, pour celles et ceux qui sont en train de découvrir le site, peu importe le jeu de société sur lequel vous allez vous retrouver, vous aurez ce menu similaire, jouer, ou alors jouer en arène. Donc là, c'est un petit peu coté. Hein, c'est l'équivalent de nos Mythic Plus sur World of Warcraft. Et apprendre. Il y a un tuto. Donc on l'a déjà fait, nous on va démarrer direct la partie, je sais pas s'il y aura des gens de la commu qui seront intéressés, je vois Walshune, je sais pas s'il voudra se joindre à moi. Je sais qu'il y avait Yo-Yo, qu'il y avait Zelzef qui aimait bien jouer aussi, qu'on s'est ajouté en ami, hein. De toute manière moi c'est Aphrodisiaque, A-P-H-R-O-D-I-Z-I-A-K, comme sur la plupart des jeux de toute manière mon pseudo, si vous voulez qu'on s'ajoute lorsqu'on fait du jeu de société, et jusqu'à maintenant on en a testé quelques-uns. On a testé lesquels? On a testé le Seven Wonders, Age of Champagne, les Aventuriers du Rail et le Splendor. Donc ça, c'est tous ceux qu'on est censé tester à l'avenir, que je les connaisse déjà ou non. Et Seven Wonders, comme je dis, il est vraiment cool parce que ben, sur le site, ils annoncent environ 7 minutes. Mais ouais, ça prend guère plus de 10 minutes, j'aime beaucoup. C'est très très bien fait. Elle est où, Zef? Zef? Elle est peut-être allée... elle est peut-être avec son petit loulou. Bon, du coup... Ah, mince, j'ai cliqué sur quoi, moi? Je vais proposer à Walsh, il dispose, s'il en aura envie... Zef, elle est en clé avec moi. Ah, amusez-vous bien. Elle fait le KSM de sa maman. Mais pourquoi tu le fais pas avec elle? Ah, mais si, t'es avec elle. Oh, j'ai Walsh avec moi. Tu veux qu'on joue à 3 ou 4, Walsh? C'est plus facile à 3, parce qu'on est moins limité dans les ressources, je trouve. Et ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est premièrement sa rejouabilité. Secondo, le fait que selon le nombre de personnes avec lesquelles on va jouer, le gameplay va être complètement différent. Et surtout, il y a une version spéciale aussi dédiée pour deux, mais qu'on n'a pas encore vue en live. Et que je vous présenterai dès que je le pourrai prochainement. On va jouer à 4. Ça complique un petit peu les choses, non? On pourra choisir la phase de la merveille, oui. Tu sais, moi, sur BGA, par des bubules, mais si, Walshune, mais si. Donc on se retrouve face à deux FR. Mais nous sommes fous les FR, c'est rigolo, ça. Donc, quel est l'objectif? Gagner, évidemment. Donc là, je vais choisir ma merveille. C'est Éphèse qui m'a été offerte. Donc, je vais choisir... Est-ce que je choisis celle-ci? Je vais choisir celle-ci, histoire d'avoir des sous un peu plus régulièrement. En fait, ce sont les trois étapes de merveille que je vais essayer de construire. J'ai le choix, je ne suis pas obligée d'essayer de les faire. Ici, c'est la ressource de base que moi, je produis. Chaque plateau a une ressource de base. Et là, je vais devoir faire mon choix. Je suis désolée, hein, ça va être compliqué de vous expliquer si vous ne connaissez absolument pas du tout le jeu. Par contre, ce qu'il y a de... un petit détail qui est très intéressant, c'est qu'on joue toutes et tous en même temps. Ça, j'aime bien. Ici, c'est le coût des cartes que vous voyez en bas à gauche.
Donc moi, pour construire mes étapes de merveille, j'aurai besoin de cailloux, de bois, de pierres. Que vais-je vouloir prendre? Je vais même pas prendre le comptoir ouest, non, à tous les coups. Walshuni, il va pas trop produire. Allez, je prends le scriptorium. Ma ressource de base étant un papyrus. Je vais tenter le coup avec les cartes scientifiques. Ah, je pense que je vais payer un sesterce pour pouvoir acheter une exploitation forestière. Parce que ça veut dire que par tour, je pourrais produire un caillou ou un bois. Je paye. Non, c'est gratuit, Vaeline. C'est gratuit, BGA. En étant gratuit, tu as un petit temps d'attente entre les parties, par contre. Sinon, tu as une participation. Je préfère appeler ça une participation. Je crois que c'est 30 euros par an. Qui te permet de ne pas attendre un compte premium. Et c'est aussi pour soutenir les gens qui font, qui permettent la gratuité de ce site. Ah, Krakitek! Merci encore, Koro. Je ne sais pas s'il est encore là. Donc là, je ne peux pas refaire le scriptorium, puisque je l'ai déjà. Je ne vais pas faire la guerre. Pourquoi? Parce que ça me coûte des compos. Donc, que puis-je faire, moi? Des bains? Allez, l'hygiène, c'est important. Hein. Est-ce que je fais du verre ou est-ce que je fais la guerre? Une fausse argileuse. Est-ce qu'il peut faire la guerre, lui? Ah ouais, mon voisin, il peut faire la guerre, il a du bois, vas-y, tant pis. Tant pis. Moi, je fais la guerre! La bagarre! C'est Walshuni qui hésitait. Eh ben, j'ai bien fait, vous avez vu, mon voisin à droite, il a fait la guerre. Alors, la culture, hein, je crois, toujours. Hein. Ah ouais, Walshuni, il va acheter pas cher chez moi, quoi. Super! Super! Bassin argileux, je pense que je vais prendre le filon, j'en ai besoin pour cette étape de merveille. Et j'ai au moins un de mes voisins qui fait de la briquette aussi, donc prenons du filon. Allons-y. Et bonjour, Donnie, coucou à toi. Hé hey, c'est moi la prêtresse. Non. Attends. Vas-y, je pense que je vais faire de la briqueterie, moi. Ouais. Salutations Aston. C'est la pause thé? Pas terrible, non, c'est pas une très très chouette journée. On essaie de l'occuper agréablement, votre compagnie. J'espère que la tienne était chouette. Ah, c'est horrible cette semaine, Donnie. Franchement. GG à toi, Anaëlys. GG. T'inquiète, c'est moi, j'ai attiré tous les gnouk cet après-midi. Allez-y, montez vos clés. Ça va bien se passer. Il y a l'éléphant qui est de retour. Ah ouais, il n'y a personne qui fait de tapis. Je suis obligée. Je suis limite obligée de faire le métier à tisser parce que sinon, je vais me retrouver coincée en tapis et j'en ai besoin pour ma étape de merveille, là. Je vais prendre le métier à tisser. Fait suer, hein, j'aurais bien fait l'écurie, moi. À tous les coups, le voisin, il me le fait. Vas-y, je fais la guerre. La guerre! Bagarre! Flûte, faut que je donne des sous à lui, là. Non, pas terrible, Dino. Boulot, une démontage du meuble. Mais oui, on n'était pas censé se croiser, Aston, avec ton déménagement, si? Ah, petite bibliothèque, c'est parti! Faudrait peut-être que je fasse des étapes de merveille, non? Ouais, hein. C'est parti. Je donne mes sous à qui? Ah, c'est le voisin qui a moins de sous, là. Hé hey! Elle me vole tous mes verres, Lui, il est courageux, hein, par contre, de faire guiser, dis donc. Ça m'embête un peu. J'aime pas faire des étapes de merveille à l'âge 3. Parce que l'H3, c'est là où il y a les grosses cartes, les cartes guildes et tout. Ah, mon université! Viens là, toi. À moi!
Bon, je suis pas très contente de moi sur cette partie. Qui a pris le caravansérail? Personne? Y a quelqu'un qui l'a construit en étape de merveille ou quoi? Elle m'énerve, cette mouche! D'où elle sort? Aucune réaction de Whiskiki, du coup, qui doit se dire « Vas-y, c'est bon, j'ai passé ma vie sur BGA, j'adore le Seven Wonders. » T'as bien raison. Non, non, c'est super bien fait. Bon, fallait, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Attendez, je rêve ou... Ça veut dire qu'ils sont sur mobile, ça? Une petite icône? Peut-être, hein. Oh non! Mais ils ont des gardes de guildes trop fortes! Tricheur. Ah, je suis nulle en calcul. Est-ce que c'est mieux que je prenne le palace à 8 points ou si je prends ça, ça me fait 4 x 4, 16? Pour le même coup? Vas-y, je prends le palace. Suer. Ah, j'aime pas cette partie. Je suis pas contente de moi. Coucou Nino. D'accord, Aston. Ah bah ça fait plaisir, dis donc. La guerre. À moi. J'ai eu zéro carte guild, je suis trop déçue. Des jardins, c'est frais, c'est vainé. Ah ouais, une, deux, trois, quatre, il y a une carte guilde. Ah, il y a encore la carte guilde des scientifiques qui tourne. Peut-être que je pourrais la voir, parce que mis à part Cécile, là, et ça intéresse personne, je pense, la carte guilde des scientifiques, des comment ça s'appelle, des... voilà, guilde des scientifiques, viens à moi, toi. Ça va me faire 16 points, très bien. Pan, à moi. Oh, la chance. Après, j'ai pas grand-chose d'autre. Ah si, je vais avoir 10 points de guerre à la fin, là, j'ai réussi à garder l'ascendant sur Walshune. Après, peut-être que là, Walshune va mettre une carte guerre. Non. Ok. Ah, je devrais pas être dernière non plus, on va voir, on va voir. C'est pas dit, hein. Et c'est une victoire écrasante. Voilà. Voilà, voilà. Eh bah, très bien. Mais en fait, ce qui est cool avec le Seven Wonders, c'est qu'on sait jamais... trop qui va gagner en fait. J'ai juste une carte guild mais qui ne me rapportait pas de points directement. Juste indirectement, grâce au combo justement. Ça me faisait 4 tablettes. Ah ouais. Et lui là, 20 points avec les cartes guild. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Mais moi j'ai eu un jeu un peu plus équilibré quoique. 0 en commerce, 0 guild. 19 en bleu. Hein. 19 en bleu, 16 en science, pétard. Oh, je me suis pas trompée. 13 en conflit, 13 en guerre. Voilà, vive la guerre. C'est tout, c'est tout. GG Walsh hein, qui termine second, cela dit. Ah non, troisième, pardon. GG. Je t'ai donné tous mes PO, mais faut pas le dire. Merci. Bon, j'avais le plateau qui aidait bien. Et je suis un peu déçue parce que tu vois, je l'ai pas utilisé à son plein potentiel. Ce plateau, ça m'a pas été utile de débloquer des sous au fur et à mesure, finalement. J'ai eu de la chance dans la main et de pouvoir avoir assez rapidement les compos dont j'avais besoin. Et c'est pas pour autant que j'ai construit mes étapes, je sais pas. En tout cas, c'était très très chouette. Je vais devoir vous laisser là, si je veux pas être en retard à mon rendez-vous. Et puis, bah, contente d'avoir fait découvrir le site peut-être à certains d'entre vous. Et qui sait, au plaisir de jouer avec ou contre vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Farmez bien la mascotte. Pardon, c'est pas la mascotte, c'est le jouet du feu de camp avec les drops Twitch. Merci beaucoup d'avoir partagé cet après-midi avec moi. Je vous retrouve dès que possible. Voilà. Et un petit tweet partira, un petit ping sur Discord. Belle soirée Synesthésia, Uncle J, Walshune. Des bisous à toutes et tous et merci beaucoup pour tout. Tchou.